Du coup, les amis, on part. On a été contacté donc pour jouer à Cities Skylines. En petit OP en plus. J'avais joué au 1. Je me suis dit, let's go. Le genre de jeu un peu gestion qui nous met bien, qui fait plaisir. Effectivement, ça grésille. Comment ça, ça grésille? C'est pas censé grésiller. Hein. C'est le jeu à 40 000 extensions. Alors, Cities Skylines 1, c'est, en fait, c'est le genre de jeu hyper bac à sable où du coup, il y a plein de modes qui arrivent. J'imagine la communauté est hyper active et tout. Moi, j'y avais joué il y a 4 ans à peu près. Bon, mais j'avais quand même montré quelques limites. Mais oui, là, c'est juste le 2 qui vient de sortir. Il est sorti hier. Pour l'instant, en effet, il se fait un peu démonter sur le côté optimisation. Les experts ont l'air de dire que justement, bon, ça va venir au fur et à mesure et qu'ensuite, t'as tout qui est... C'est pas mes oreilles qui grésillent. Il faut grésiller. Mais comment ça, ça grésille? Vous êtes tout seul à grésiller. Tenez. Là, c'est parfait. Ça fait 10 minutes que j'ai grésillement à droite 100%. Ça grésille pas. Moi, je vois absolument aucun grésillement. Aucun. Parfait, là. Ah, c'est ça? Attendez. Là, vous grésillez? Mais là, on grésille pas. On grésille jamais, en fait. Là, vous grésillez? Zéro grésillement. Non, mais j'ai rien touché, hein. Ça va pas fort, vous. Tu grésillais avant. Non, mais c'est possible, en vrai. C'est possible, mais je sais pas. Attendez. Vous allez me dire. Vous allez me dire, c'est peut-être ça. Est-ce que... Parce que si c'est ça, ça veut... Est-ce que là, vous grésillez? Là, vous grésillez ou pas? Putain, là, vous grésillez. Là, vous grésillez fort. Là, vous grésillez plus. J'ai tout compris. Je viens de soigner mon... Je viens de tout... Vous grésillez plus, là. Là, normalement, il n'y a plus aucun grésillement. Il y a R. Non, c'est bon. On grésille plus. C'est ça, là, c'est bon. Ça n'a jamais grésillé. Non, mais si, ça pouvait peut-être grésiller un petit peu. Il est vrai que... J'ai pas envie de vous mentir, ça pouvait peut-être grésiller. Enfin, bref. J'ai l'impression que ceci est un autre monde. Voilà, ça c'était le monde où bien sûr, quand j'ai joué à Cities Skylines 1, j'étais nul en informatique, un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, bien évidemment. Alors, on est parti pour Cities Skylines 2. Alors, jeu quand même assez technique. Bien sûr, nous allons créer donc du coup toute une population. On va essayer de créer une zone où nos habitants vont pouvoir être heureux, voilà, économiquement que ça prospère, avoir aussi du divertissement, avoir tout ce qu'il faut. Mais souvent, il faut déjà raccorder l'électricité. Et c'est pas le plus simple. Alors, il y a différents biomes. Il y a différents biomes, donc avec des biomes un peu thème nord-américain ou européen, un peu au choix. C'est-à-dire climat. Moins 4 ou moins 34 degrés. C'est-à-dire... Ah non, c'est entre moins 4 et 34, pardon. Excusez-moi. Là, c'est entre 10 et 29. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais chaud de faire un truc européen. Européen, c'est les minima et maxima. Ouais, vous avez été bon. Hémisphère nord. Zone constructible, 39%. 39%. Lakeland, non mais ça va être dur, ça y a trop de ponts et tout. Tunnel illimité ou pas? Ah non, on se met en hardcore. Mais on est en semi-tuto, hein. Enfin, on est en tuto total. Tout à l'heure, j'ai lancé pour faire un peu le tuto. J'ai pas réussi à finir le tuto. Mais au moins, j'ai déjà une base. Je pense que mon jumeau, c'est le mieux parce que c'est le genre de ville où il y a un fleuve qui passe au milieu. Tu vois, petite rivière divisant la carte en deux. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, on est bien. Alors, nom de la ville, Denbigh, Lanail, mais ça c'est vraiment les anglo-saxons, Huffington, on a pas ce genre, West Laurel, mais on n'a pas ce genre de ville, européen, on va être en européen, circulation à gauche, bien sûr que non, catastrophe naturelle, oui on coche, tout déverrouillé, bah non, on va pas tout déverrouiller d'un coup je pense, continuer les tutoriels, redémarrer les tutoriels,
Est-ce que je vais redémarrer les tutoriels pour pouvoir passer un peu vite. Comme ça on est bien. Comme ça, quoi, pas de naming de la ville? Bah si, mais bon. Le naming de la ville, j'avoue que c'est toujours... C'est toujours un petit problème quand même. Je dois vous avouer que... on va peut-être pas appeler ça Pub City. Hein. On a quand même bientôt 30 ans, les gars, quoi. Mais ensuite... Byzance. Il va faire froid. Entre moins 4 et 15, c'est vrai. C'est vrai qu'on se gèle un peu le cul, là, mais... Mais c'est... Babylone. Qu'est-ce qu'on a? Vas-y, qu'est-ce que vous proposez un peu? Tiens, je vous mets comme ça, les gens de la rediff peuvent regarder. Bisous sur Marne. Allez, Alex, hein. Allez, on monte les TikTok, Alex, là. Hein. Allez, on devient expert. En ce moment, on se fait fumer nos TikTok parce qu'il y a tous les Italiens qui m'insultent, là. Là, c'est... PA sur Marne. Ah, mais on a tous que des idées de merde. Mais c'est pas grave, hein. Domine Gotham City. En vrai... Il y a quelque chose. PA Entrepreneuriat City. Ah oui, là, on est sur LinkedIn. Mon cul. Domingo City. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose, hein, de trouver un nom. Byzançon, c'est pas mal. Byzançon. Byzançon, je peux prendre Byzançon. Byzançon, je pourrais prendre. Ghetto Domingo. Mais comment ça, Ghetto Domingo? Mais c'est... Pabzou, j'ai rien compris. PA sur mer. Non, Byzançon, c'est peut-être mon préf pour l'instant. Là, Byzançon, sans trop de raison, mais j'aime bien. J'aime bien Byzançon. Sans non plus trop d'originalité, mais tu vois, c'est... on est tout simplement Byzançon. Non, parce que tu vois, on a une petite ref. Non, Byzançon, j'aime beaucoup, moi. Ah, on est parti sur Byzançon. C'est un entre-deux. Là, je ne propose pas. Bien sûr, sachez que comme sur tous les jeux... Je suis simplement maire, je ne deviens pas, tyran ou autre chose un petit peu dithyrambique, hein, j'ai envie de vous le dire. Je reste, on n'est pas à Byzo City, on est à Byzançon. C'est tout à fait normal. C'est, le CC dit, sinon ça fait bizarre. Ah, on est sur Byzancon, là. Bon, bah, c'est Byzancon. C'est... Voilà, c'est Bienvenue dans City Skyline 2. C'est ici que vous pourrez construire la ville de vos rêves, relever les défis de la gestion des services municipaux, de la circulation, suivez la vie de vos concitoyens. Les tutoriels sont là pour vous guider dans vos premiers pas vers la construction d'une ville. Au fur et à mesure de vos progressions, bien sûr, d'autres astuces. On se met au taf, non mais ça je connais, ça j'ai fait. Là les gars, je peux vous dire que j'ai bossé. J'ai réussi à passer toutes les tables tutorielles des touches. Q, on tourne, on descend, comme ça. Ça j'ai réussi, j'ai été très bon là-dessus. Ça a été la meilleure étape de mon tutoriel. Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre première ville. Ok, une liste de tâches pour lancer une tâche en sélectionnant jouer. Vous verrez également des conseils. Bien sûr, on va démarrer notre première tâche. Alors, les bases. La route. Alors, une grille de cellules apparaît. Donc, c'est vrai que c'est les jeux à grille et tout, ça. Ça, c'est les jeux à embrouille, hein, généralement. Ça, c'est... lorsque vous construisez une route, une grille de cellules apparaît sur le terrain adjacent, bien évidemment. Alors, les routes sont de différentes tailles et configurations. Donc, on a des petites routes, des grandes routes. En fonction, ça coûte plus ou moins cher au kilomètre. Des routes à deux voies, là, voilà. Plutôt classique, en fait, on pourrait avoir des autoroutes. Hein, ça serait fou. La route à deux voies est une route de base. J'aime bien. Autre outil. Ah ouais, donc là, tu peux la faire en haut, en bas. Ta route, elle fait un peu ce qu'elle veut. Différents outils vous permettent de construire... Oui, donc ensuite, j'imagine, il faut terraformer. On peut faire des tunnels, on peut faire plein de trucs. La cam. Ah merde, je vous nique tout. Ah mais attendez, je vais m'en remettre comme ça. Comme ça, ça ira. Là, je suis sur en pause. Attendez. On est où, d'ailleurs, là-dedans? Attendez, je vous mets ça. C'est un faux. Ouais, je vous mets ça comme ça. Permettre de construire des routes de formes variées. Très bien. Remplacer. Sélectionner un nouveau type de route dans le menu route. Le nouveau type de route est construit à la place de l'ancien. Ah, pas mal. Automatiquement, on peut switch. Au-dessus à gauche. Vous voulez que je me mette là? Allez, je me mets là. Je me mets là. Je sens que ça vous tend, sinon. Je me mets ici. Comme ça, c'est très bien. En haut à gauche, il y a des pop-up. Ça va gêner. Oh putain, bon, je me mets là. Allez, on est bien. La musique est forte. Ah bah, on est pris, c'est Byzançon, mon frère. Hein. Ah, t'arrives, il y a un orchestre. Hein. Ah oui. Ah bah, c'est 10 000 du mètre carré, mais t'es pas déçu, quoi. Hein. Ah, il n'y a pas de place en crèche, hein, je peux te le dire, mais bon.
Ah, on en voit tout. Il y a du trombone, il y a voilà, de la trompette. Alors, moi, bon, ça va, on connaît. Eh, c'est pas comme si j'avais pas fait le tuto. Hein. Oui, mode parallèle. Bon, là, je vais sûrement un peu galérer. Alors, donc là, on arrive. Donc ça, c'est le monde extérieur. Putain, déjà. Alors, on était parti sur un truc. Là, c'est la sortie d'autoroute. Là, c'est... Non, je vais pas construire ici, moi. Ça m'appartient pas. Moi, ma parcelle, c'est là. Alors, qu'est-ce que je fais, putain? Là, déjà, on a une forêt. C'est pas mal. C'est pas mal d'avoir une forêt. Il faut la garder. Il faut pas tout de suite... Comment je me mets bien au milieu? Ah putain, mais attends, j'ai déjà niqué le truc, là. Comment je fais en sorte de reprendre la route? Est-ce que je ferais pas un rond-point d'entrée de jeu? C'est peut-être bien de faire un rond-point, là. Rase tout. Non, mais je suis pas encore à tout raser. Please, stop la musique, plus cam, STP. Achète-le, le jeu, frère. Qu'est-ce qu'il me dit, l'autre? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une 4 voix, PA. Bah ouais, mais du coup, c'est un peu chiant que ça soit une 4 voix. Parce que moi, j'ai pas encore les 4 voix. Là, je vais forcément faire une merdouille, là. Attends, mais pourquoi déjà on est haut comme ça, là? Y a pas un souci de terraformage, là? Ah non, c'est bon. On est à la même hauteur, là. Ok, non, c'est bon, on est bon. J'ai les 4 voix. Ah putain, j'ai les 4 voix. Attendez, j'ai les 4 voix, on me dit pas que j'ai les 4 voix. Oh, j'ai les 4 voix. Oh putain, je continue le truc. Oh putain, c'est bon. Ok, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive. Bon, là, directement, on foutra un... Normalement, t'as un décathlon. Hein. T'as un rond-point avec un décathlon. Ça, c'est toute bonne ville européenne à son rond-point avec son décathlon. Là, direct, on a quelque chose à droite. On se dit, il se passe quelque chose tout de suite. Mais est-ce qu'on ferait pas un rond-point? Je vais commencer tout de suite par faire un rond-point, moi. Tout de suite. C'est peut-être pas le plus simple, le rond-point. Oh, le rond-point, ça a l'air d'être une galère. Ok, on va commencer comme ça. Déjà, c'est bien. Là, on va là, et ensuite, on se dit, advienne que pourra. Est-ce que je peux un peu courber la route, ou... Oh oui, là, c'est déjà superbe. Et là, et puis là, voilà. Là, on sent qu'on est sorti. Ah, c'est à quel moment il faudra arrêter les 4 voies. Bon, on verra. Alors, on verra, on est bien. Donc ça, c'est la base. Maintenant, il va nous falloir les zones résidentielles. C'est pour ça qu'on a envie de les éloigner un peu, les zones résidentielles. Putain, mais est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir tout d'un coup, en fait? Parce que là, ça, c'est terrible. Est-ce que je débloquerai pas tout plutôt que faire le tuto? Ça va être l'enfer. Non, ça va pas être l'enfer, les gars. Qu'est-ce que vous me dites? En train de me dire que ça va être l'enfer, je comprends pas. Une tâche du tutoriel vous attend. Moi, je me dis, est-ce qu'on se démerde pas par nous-mêmes? Après, ça va peut-être être ingérable. Utilise l'outil route, PRSTP. L'outil route? Droit. Courbe simple. Oh. Je gagne de l'XP. Courbe complexe. Wouah! Oh, la ville de ouf! Ok. Mais ça, c'était juste... C'était juste pour apprendre. C'est dingue, c'était juste pour apprendre parce que déjà, j'avais pas vu ça. Continue une série infinie de virages. Wow. Putain, en vrai, je vais faire un circuit de Formule 1 dans ma ville. Comme ça... Comme ça, ça va être bien. Non, mais déjà, on a bien compris les routes, parce que j'étais pas sûr. Là, ça, c'est les routes de Corse, ça. En pleine montagne. Là, honnêtement, on a peut-être de quoi faire un circuit. Hein. Première chicane, déjà, ça peut être intéressant. Non, mais attendez, on va pas faire ça. C'est histoire de bien se familiariser à tout. Attendez, parce que égout... Non, mais je ferai quand même bien. Venez, on fait le tuto. On fait le tuto, parce que c'est important. Si vous voulez, en fait, on se fait juste le tuto au début. Comme ça, je comprends. Ensuite, vous m'aidez. Donc là, on est donc du coup sur les zones résidentielles. Donc, couleur de bâtiment, bâtiment emblématique résidentiel. Donc ça, c'est les différents adéquations résidentielles. Couleur de réseau, pollution des sols, parce qu'en fonction de tout ce qu'on va mettre autour. Les modes outils, logement à faible densité, destiné aux maisons individuelles. Elles ont un effet positif sur le bonheur. Mais ça coûte cher, les maisons individuelles, forcément. Nous, on se met tout en mode européen, parce que tu vois, en mode, ça, c'est tout moche. Attends, mais là, t'arrives, tu sors de l'autoroute direct à ta maison. Bon, c'est le tuto.
C'est le tuto. Suppression de zone. Si vous estimez qu'une zone n'est pas au bon endroit, vous pouvez choisir de la supprimer entièrement ou de la façonner en supprimant certaines parties. Utilisez le mode outil de votre choix tout en maintenant le bouton droit de la souris. Peignez la zone que vous voulez. Ok. Les bâtiments qui existent déjà dans l'espace que vous modifiez, dont vous supprimez le zonage, seront condamnés. Ouais, très bien. Très bien. Faites des petites routes qui sortent des quatre voies. Non mais là on est... Là, pour l'instant, on fait juste la compréhension. Là, je te fous une zone commerciale. Boum, je te fous deux zones commerciales. Ici, d'entrée de jeu, deux énormes zones commerciales. Ça fait bien plaisir, ça. Ça, c'est muy bueno, ça. Pour l'espace commercial, permettre aux entreprises commerciales de démarrer leurs activités. Direct. Tac, tu sors de l'autoroute. Là, soit tu vas chez toi, soit tu vas chez le roi Merlin. C'est les deux choix. Tac, petit date, boum boum. Bébé, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on se ferait pas une petite soirée de décathlon into flunch? Tac, ensuite... Forcément, on a une population qui grandit. Une population qui grandit, une population qui consomme. Et qui retournera à son tour au Leroy Merlin, et ainsi de suite. Et peut-être qu'il y aura d'autres magasins, mais ça, c'est dans un temps 2. On n'y est pas encore. La mise en situation, tac, tac, tout est bon. Zone industrielle. Oh, une bonne zone indus. Alors, la zone indus, on va la foutre. Ah, j'ai merdé. Oui, la sortie. La sortie est magistrale. Attendez, là. Eh oh. Il me gâche la route, là, celui-là. Moi, j'ai besoin de faire une sortie ici, là. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait, ça. Je continue un peu plus loin. On nique un peu de forêt, mais... Mais bon, c'est les pots de vin, vous savez. Oh, voilà, c'est magnifique. Et là, je t'envoie une sale zone indus, là. Alors là, c'est pour aller bosser, là. Là, c'est triple zone indus. Et je la mets pas là, la zone indus. Je respecte quand même les gens autour. Comme ça, on est bien, là, déjà. Ok, très bien. Zone indus. Barre vous donne un aperçu des types de zones. Ouais, parce que là, pour l'instant, on voit en zone. Mais voilà, là, ça commence à construire. Hein. Ah bah là, je peux vous dire, je sais pas qui a acheté ici, mais ça se régale. Hein. Donc, Nensha, merci pour le sub. Je comprends que sous ce gameplay, électricité. Alors pour l'instant, on n'a pas d'électricité, parce que là, donc du coup, ils vont commencer à construire. Toute la ville a besoin d'électricité pour fonctionner. Oui, donc du coup, soit on est aux centrales électriques à charbon, elle génère également beaucoup de pollution. On n'a pas une centrale nucléaire. On remplace la bibliothèque par la centrale nucléaire, comme ça, c'est... Non, mais c'est sûr. C'est hyper divertissant, comme ça, les enfants viennent, boum, tac, regarde. Regarde un peu. C'est ça, à Byzançon. Voilà ce qui se passe. Oui, je suis en pause, bien vu. Source extérieure, choisissez une source d'électricité. Ouais, mais là, en gros, on a soit éolienne, est-ce qu'on a du vent? Vitesse du vent trop lente. Ouais, on va rien produire, là. On peut même pas, on n'est même pas à 2 mégawatts, là. Non, on va devoir se faire une grosse centrale. Hein. Ah, mais du coup, la grosse centrale, peut-être que je la fais genre en mode derrière la zone indus. Je peux tourner ou... Nous avons trouvé un emplacement parfait pour notre filiale. 79 rue du... On peut pas importer. Ouais, mais si on importe, j'ai peur que ça nous coûte très cher. Oh, je la fous là, je la fous au loin. Je la fous dans les arbres, la centrale. Parfait. Et faut rejoindre. Alors là, il faut rejoindre. Là, il y a plein de trucs qui vont pas. Pas assez d'électricité, pas assez d'eau. Ok, il y a rien qui va pour débuter. Ça fait bien plaisir, ça. Quand rien ne va comme ça, c'est vraiment bonheur. Alors attendez, parce que la centrale, faut... En fait, alors là, tout à l'heure, les amis, mon aventure City Skyline s'est arrêtée là tout à l'heure. J'ai pas réussi à aller plus loin. J'ai pas... Merde. J'ai pas pu débloquer la suite parce que j'arrivais pas à relier la centrale à une route. Donc ça a été toute la difficulté là. Je vous le dis, c'était pas très loin. Ouais, j'ai fait ça en mangeant quoi. Ah oh merde, on est pas loin de... Là, tu vois pourquoi je peux pas relier? Là, c'est relié ou pas, du coup? Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love... Qu'est-ce qu'il y a, là? Mais pourquoi ça marche pas? Vu le lampadaire, je dirais non. Mais comment on fait pour rejoindre?
this lineage traced back to the great Hayden himself? La route est trop grosse, mais sinon tu places la route et ensuite le bâtiment. Mais excuse-moi, pourquoi il y a un connard à la radio qui nous parle là? Excuse-moi, est-ce que tu peux la mettre en boucle là ou... Parce que j'aime bien le petit son, mais... On peut revenir sur la petite musique d'ascenseur là ou pas? Parce que... Alors attendez, fais comme si tu faisais un trottoir. Oh là, Nencha. Oh là là, là, c'est tout de suite me parler comme si... longe le bâtiment. Hein, tu vois, ça a pas l'air de... Là, c'est raccordé, là? Ah, c'est pas clair, quand même, hein. C'est bon. Là, c'est good. Comment ça, c'est bon, là? Là, je comprends plus, quoi. Remets-toi en... petite roue, roue de taille moyenne. Ah, parce que aussi, je le fais pas droit, en fait. Ah, parce que j'ai fait les trucs en mode complexe. Parce qu'en fait, je suis en courbe. Ok, d'accord, j'ai compris. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça, en fait. Et c'est bon, là. Mais c'est vrai que, du coup, c'est assez spécial. En fait, il faut que la route soit... soit humaine, quoi. En fait, ouais, il faut vraiment qu'elle existe devant, donc du coup, qu'on puisse faire un truc... Mais de toute façon, là, on va se faire ça, et on va se créer ici un technopôle. Bien évidemment. Ici, on va se faire un truc là aussi. Là, là, je peux vous dire qu'on va foutre des trucs là. Ok, très bien. Bon, là, on est bien là. Construction d'une centrale électrique. Alors, placer la centrale en vent arrière des habitations et loin des sources d'eau pour éviter de les polluer. Ah bah, c'est bien, là, on l'a foutu bien loin. Eux, c'est pas foufou, mais eux, ils sont en entrée. Ils sont en entrée parce que là, c'est vraiment... Là, ici, il va y avoir un petit marché, il va y avoir plein de trucs. Hein. On la verra même pas. Si t'es là, par exemple, tu vois... Ah, c'est vrai qu'au loin, quand même. Ah, c'est vrai que quand t'es gamin, bon, tu joues dans la forêt, tu la vois en fond, quoi. Et t'as vu rivière aussi. T'as vu rivière ou vu centrale, quoi. C'est à voir. C'est pas si gênant. Alors, du coup, pas assez d'eau, refoulement des égouts. On voit quasiment pas. Mais là, du coup, on est d'accord que c'est rattaché et c'est raccordé, là. Puisque tout a plus besoin d'électricité, maintenant. Donc là, on est bon sur tout, là. Ok, les centrales ont besoin d'approvisionnement régulier en charbon. Ok. Qu'est-ce que je dois faire d'autre maintenant? Oh! L'affichage des informations sur l'électricité montre une superposition des flux d'électricité dans toute la ville pour vous aider à repérer les faiblesses et résoudre les problèmes. On est comment au niveau électricité, là? Charge de batterie. On est léger sur la batterie, là. Consommation d'électricité. Le débit d'électricité est animé pour montrer la quantité d'électricité qui circule et sa direction. Les faibles quantités d'électricité sont représentées par des barres courtes. Lorsque le débit d'électricité augmente, les barres s'allongent. Ok. Il y a une limite à la quantité d'électricité. Ah oui, sinon c'est trop... Justement, c'est saturé, quoi. Goulot d'étranglement de l'électricité. Ok, ça c'est quand il y en a trop. Mais il y a un truc de transformeur, non, à prendre, là. Est-ce que j'ai bien tout pris ou pas? Oui, voilà, station de transformation. Câble électrique. Câble pour le transfert de courant basse tension d'un lieu à l'autre. Ah bah oui, station de transformation. Transforme les courants à haute tension provenant d'une centrale électrique en courant à basse tension utilisable par les bâtiments. Ah bah c'est ça, faut que je fasse. Il faut que j'en fasse un, ça, non? Ah bah je te fous ça là, moi. Ça m'a l'air bien. Obtenez une boisson gratuite aujourd'hui dans notre nouveau bar. Oh là là, la vie. Alors attends, parce que ça, je le mets comment, ça? Non. Ah, y a pas besoin de ça? Je comprends pas comment ça tourne. C'est juste en fonction, quoi. Quand tu auras des zones partout, ils sont reliés. Pas besoin, ton bâtiment le fait déjà. Ok, d'accord. Alors l'eau. Chaque ville a besoin d'un bon réseau d'eau. Les ménages, les entreprises et les industries ont toutes besoin d'eau. Ça manque un peu la petite musique. Hein. Clique droit et tourne. Ah, d'accord, ok. Si, merde. Petit clic droit pour tourner. Très bien. Les pins sont des arbres, ok, mais ça, on s'en fout. Les ménages, les entreprises ont tous besoin d'eau. Donc ça, honnêtement, on comprend. La station de pompage des eaux souterraines peut être utilisée si les limites actuelles de votre ville contiennent des gisements d'eau souterrains. Les stations de pompage des eaux souterraines sont placées en surface au-dessus du gisement d'eau afin de fournir de l'eau propre à la ville.
Ok, ça me semble logique. Station de pompage des eaux. Ok. Peut utiliser si les limites actuelles de votre ville ont un accès à l'eau libre. Bah nous, on va pomper dans la rivière. Hein. De toute eau libre afin de fournir l'eau propre. Ah bah attends, moi je t'en fous un petit là. Bah attends, directos là. Directos, on se met ça là. Boum. Hop. Direct, putain. On a accès à l'eau, forcément. Toutes les grandes villes se sont bâties sur les fleuves. Et ils n'avaient pas le choix à l'époque. Sélectionnez le type de station de pompage que vous souhaitez pour commencer. Ah bah attends, moi ça me semble évident là. Mais comment... comment on voit si... Ça c'est quoi ça par exemple là? Comment on... Il doit y avoir un truc haut. Oh la vache, la nappe phréatique. Oh là, j'ai une sale nappe phréatique. Ouais, mais est-ce que ça va pas nous... Ah, ça c'est pas mal quand même. Là, c'est vrai que production d'eau, ça c'est... C'est quand même pas mal, mais ça sert à rien d'en faire deux, je pense. Ça sert à rien d'en faire deux. L'eau là-bas servira. Light one, merci. Alors, extraire l'eau d'un lac ou d'une rivière, la chemine vers la ville par des conduits d'eau. Bah, très bien. Ok, donc ça, j'ai ça là. Comment ensuite je les ramène? Placer la pompe à eau sur le rivage. Veuillez à ce que l'emplacement soit suffisamment éloigné en amont des sources de pollution. Donc, on est hyper loin de la centrale. Donc, très bien. Vers la ville, que la ville reste propre et exempte de toute contamination. Les flèches dans l'eau indiquent la direction et la force de l'écoulement de l'eau. Ah, remontre-moi ça, là. Ah, très bien. On récupère tout, là. On met les mains et on boit. C'est très bien. Attends. Pomper vers la ville reste propre. Parce qu'on va rejeter de l'eau aussi, c'est ça? Donc du coup, en fait, là, il faut prendre l'eau, et là, il faut rejeter, quoi. Et oui, en effet. En effet. Malin. Habile. Comment je la déplace, celle-là? Déménager. Allez, viens là-bas. Allez, viens là-bas, louloute. Hop. Comme ça, on... Ah ouais, mais là, on est loin. Hein. Oh, il y a quelqu'un d'autre, là-bas. Putain, il y a une... Oh, alors, cette route-là, mon pote, je peux te dire que là, c'est... Avec tout simplement un ovni. Ah non, c'est une flèche. C'est une flèche pour étendre ton territoire. Ok. Bon, ça, c'est bien, ça, déjà. Raccordement des stations et pompage de l'eau. On a besoin d'une liaison routière. Si votre station est déjà construite près d'une route, tout est prêt et la station est connectée au réseau routier. Si votre station n'est pas reliée à une route, vous devez en construire une. Oh. Ah, mais là, il y a 4 km de route à faire, quoi. C'est peut-être un peu loin, quand même. Est-ce que, honnêtement, on se ferait pas un entre-deux pour l'instant? Genre là. Parce que ça reste bien, quand même. On rejettera là-bas, mais... Si... Parce que, en fait, le truc, c'est qu'on a déjà une source ici, là. Donc, On va faire ça, sinon on s'en sortira pas. Ok, je construis une route, et on est parti. Alors ça, c'est chiant, ça. Ça va être chiant, on comprend pas, ça. Pourquoi est-ce qu'on part pas direct du truc? Ça, je comprends pas. Ça me... Fais la route avant. Tu... Construis la route avant, PA. Pourquoi on peut pas raccorder? Ah mais attends, parce qu'elle va où ma route, moi? Non mais là, je ferai un petit port. Je ferai un petit port, donc forcément, on a besoin que... Tu vois, on va même se faire un truc un peu sympa. Comme ça, là, va y avoir des maisons, va y avoir des trucs tout autour. Donc là, nous, on se longe. On se longe Canyon Bay, là, on va appeler ça. Faut quand même avoir des... Tu vois, genre... Comme ça, les gens, ils achètent super cher. Là, tous les mecs qui kiffent faire de l'aviron et tout, je peux te dire que la baraque, ils l'achètent une blinde. Ah, ça, c'est... Hop, on longe comme ça. Ça, c'est très bien, ce que je fais, là. Hop, là, il y aura un rond-point, je pense, mais qu'on changera à terme. Voilà. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien, et du coup... Ouais, ça marche pas. Je comprends pas, ça. Je trouve ça, je comprends pas, ça. Ça me rend un peu ronchon, ça. Parce que ça, on a l'impression que ça marche bien, et en fait, ça marche pas bien.
Là, c'est bon. Là, du coup, c'est bon. Ok, regarde le tuto. Juste... Ah. Oui, bah, c'est ce que je fais. Hein. Très bien. Bon, pour l'instant, on a... Non, mais ça, on va... Voilà, attendez, juste... Parce que celle-là, je la lisse, parce que sinon, après, on va me dire « Oh, c'est pas très beau, PA, ce que tu fais et tout. » Je me permets juste d'y mettre une courbe. Je me permets juste de... Pourquoi c'est tout noir d'un coup? Remettez l'électricité. Oh, Maisie, elle emmerde tout le monde, mais... Oh, putain, y a pas d'eau. Pourquoi y a pas d'eau? Nous rencontrons actuellement des problèmes de pression d'eau. Mais j'ai personne qui habite là, donc tout va bien. Ouah, ça construit! Oh, le roi Merlin est là! Soutenez votre localité, excellent service à la... Attendez, construisez pas trop vite, les gars. Construisez pas trop vite, je suis pas encore en place. Comment construire une ville? J'en suis où? J'en suis à l'eau, toujours. Mais l'eau, c'est bon, non? Amélioration. Pompe supplémentaire qui augmente considérablement la capacité d'absorption. Ah, je pourrais la mettre un peu en amont. Et du coup, il me faut un truc d'eau usée ou... Château d'eau, tuyau combiné, canalisation d'égout. Ah, il nous faut des égouts, mais progression dans le tutoriel, pour l'instant, on n'y est pas. J'en suis où dans le tuto? J'en suis là. Égout. Alors, c'est un fichier en différent. Donc ça, c'est les différentes notifications. Donc c'est ce qu'on voit. Par exemple, là, c'est chaud au niveau égout. Certains vous guident, placer des bâtiments, etc. L'icône pour plus d'infos. Alors, un bon réseau d'égout est essentiel pour une ville. Ça, c'est bien vrai, ça. Évacuation des eaux usées. L'eau est propre et utilisée, elle se transforme en eau usée. Construction d'une évacuation des eaux usées. Mais le truc, c'est que la ville voisine... Ah non, parce que ça va, c'est la mer. Parce que sinon, la ville voisine, c'était terrible. Hein. Hop, on va relâcher notre merde ici, comme ça, c'est bien. Comme ça, on est au bout du truc. Une seule canalisation d'égout pour relier les évacuations au réseau routier. Trouver la route la plus proche qui dispose d'un réseau de services publics intégrés. Bah là, on va se faire... Là, honnêtement, on va se faire un coin qui est pas très très cool à habiter, quoi. Ah, c'est le coin du rejet de la merde, là. Là, c'est eux... Non, mais eux, ils ont eu des bons prix, quoi. Ah bah, eux, ils ont pas acheté cher le mètre carré, quoi, c'est clair, mais... Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Malheureusement... Voilà. Et là, ensuite, il y a ceux qui longent... En fait, je fais une forteresse. Concrètement, je fais une route... Là, c'est une forteresse. Là, je fais un mur. Comme ça, c'est notre ville. Et tout au milieu, on fait un stade. Ce qui fait que, à la fois, les gens les plus riches peuvent venir voir et ceux qui sont dans les logements sociaux ont quand même accès au match parce que les places sont trop chères. Ce qui crée quand même une ambiance. Il y a un truc, tu vois, il y a quelque chose. Il y a un truc un peu, c'est très local. C'est ancré dans le présent. Byzançon, tu vois, quand Byzançon est relégué, si Byzançon perd au foot, il n'y a rien dans la ville, quoi. C'est tout de suite, c'est la merde. C'est Naples. Trouver la... Bah, c'est bon, non? J'ai raccordé ou pas, là? J'ai l'impression qu'on est raccordé, moi, non? L'évacuation des eaux usées au réseau existant. C'est pas bon? Pas besoin de route. L'évacuation des eaux usées à l'aide de canalisation d'égout. J'ai fait ça pour rien. Je suis un trimard. Ah là 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 là, le mec n'évolue pas. Ah mais si, là, il y a la merde qui passe, là. Il y a bien tout qui passe là. Hein. En vrai, qui est pas content? Loyer élevé. Bah, si vous voulez, les gars, je connais un autre endroit pour vous. Hein. Non, mais là, honnêtement, tout marche là, non? Juste, il veut pas me le valider. Les eaux usées qui prennent la route. Parce que ça, concrètement, là. Ben, tu vois, du coup, ça voudrait dire que je pourrais mettre. Je peux en mettre plus, mais... T'étais pas obligé de faire une route. Ouais, mais du coup, bon, j'ai fait la route, quoi. Bon, je détruis tout, mais... Ouais, mais moi, j'aimais bien ma petite idée, moi. Ah, mais tu vois, du coup, la route, elle fait office 2. Ah, ils veulent que t'apprennes comme ça. Ok, d'accord. Je comprends. Bah, c'est bon, j'ai raccordé. Oh, on est prêt à jouer, je crois. Vous pouvez consulter le menu pause à tout moment. Bien joué! Vous avez accompli vos tâches et possédez maintenant les connaissances de base sur la construction. Oh, je démarre une nouvelle ville. On démarre une nouvelle ville, c'est bon, maintenant on connaît. Oh, là on est prêt pour... On est prêt pour tout. Circulation à gauche. Non, c'est Byzance. Byzançon, putain, j'avais déjà oublié. J'avais déjà oublié le nom de... Eau usée dans la rivière. Ah ouais, frère, je dois te le dire. Et oui, en effet, certains endroits où tu te baignes dans la mer, malheureusement, juste à côté. Et oui.
tu te baignes dans la merde, ni plus ni moins. C'est vrai qu'au début, quand on l'apprend, c'est difficile. Hein. Ça fait toujours un petit choc, quoi. Est-ce qu'on cocherait pas tout déverrouiller? Parce que là, on va se faire chier, non? Au moins, on fait tout d'un coup, parce que sinon, on va tout débloquer. On se fait tout... On déverrouille tout, non? Parce que sinon, je vais être perdu, moi. Moi, j'ai envie, voilà, j'ai envie de tout, quoi. Mauvaise idée. Ça va être trop dur, non? C'est possible que ça soit trop dur. Avec tout, tu vas être perdu. C'est plus ludique si tu passes les paliers. Non, mais c'est vrai que peut-être que le tout, en fait, fait qu'il y a trop d'options d'un coup, et soit tu connais tout parfaitement, soit t'es mort. Donc c'est vrai que... Parce que là, on va se voir évoluer, on va se faire différents... On va se faire différents biomes, vous avez raison, vous avez raison. Ok, faut découvrir au fur et à mesure, en plus t'as les recherches. Alors, mais est-ce que je... Mais je peux quand même faire des ronds-points. Ah, ça j'aime bien ça. Route de gravier. Je vais faire une petite route pour aller en forêt. Petite route de gravier à gauche. Pont couvert en bois à deux voies. Oh putain. Un rond-point. Je démarre par un rond-point. Oh, j'adore les ronds-points, moi. En France, on fait des ronds-points partout. Pourquoi j'en ferais pas dans ma ville? Boum, un rond-point. Oh, c'est un peu excitant de faire des ronds-points quand même. Ah, il y a un truc un peu, tu vois. Hop, après le rond-point. Pourquoi il veut pas faire de sortie le rond-point? Ah non, merde. Non, il y a un truc un peu... Oh, il y a déjà quelqu'un qui arrive. Putain, je suis pas du tout prêt pour recevoir, monsieur. Hein. Oui, faut partir, là. Hop. Attends, pourquoi j'ai plus de musique? Juste, pourquoi j'ai... Attends, j'ai déjà pas fait droit, le truc? Bon, ça ira très bien. Mais en fait, il fallait peut-être faire plus d'entrées. Voilà, à chaque fois, ça me... Ah, on est de retour avec le son. Ah, juste, on a vraiment un présentateur qui nous fait des lancements, quoi. And welcome back, guys! Ah oui, je suis en petit rond-point. Ah oui. C'est pas symétrique. Attendez, comment ils le prennent, le rond-point? Ah, ils le prennent super bien. Ah, ça, c'était des vacanciers. Hein. C'était déjà des vacanciers, ils sont déjà repartis. Ils se sont dit, y a rien. Lui, il fait quoi aussi? Ah, ils refont la même. Ils refont la même. Aménagement payé. Ah oui, donc ça, c'est pour terraformer. Alors ça, quand tu commences ça, je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière. Non, non, on est bien, on est bien. Alors, pour débuter, on a vu, on va commencer par des petites maisons. Mais les petites maisons, on n'a pas du tout envie de les faire là. On a envie de les amener plus loin, les petites maisons. Les petites maisons, elles ont envie de... Route asymétrique à trois voies. Non, non, on reste sur du 2, on reste sur du 2. On reste sur du 2. Et j'ai envie un peu de le courber. Tu vois, qu'on soit vraiment... Welcome to the moon. Magnifique, ça. Magnifique. Ok, ça, j'adore. Ça, déjà, on est très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement se faire... Honnêtement, zone commerciale ici, je trouvais ça très, très bien. Zone commerciale ici, zone commerciale ici. Là, on va se faire un coin industriel. Mais je pense que le coin industriel, en fait, on va le foutre là-bas. Je vais remettre en normal. Là, on va s'envoyer un coin industriel. On verra en fonction des besoins. Comme ça, on est un peu loin. Et là, on va se mettre des maisons. Là, on se met les premiers quartiers. Oh, je mets de la maison, là. Pense au vent. C'est-à-dire... Vous pouvez activer ou désafficher l'affichage souterrain. Oh, j'en suis pas là, moi. On va donc, du coup, château d'eau. Achemine l'eau douce par... Ah oui, c'est vrai. Attendez, on va mettre pause. Évacuation des eaux usées. Donc là, en fait, il nous faut l'électricité. Électricité, c'est toujours la même merde, hein. Y a pas de vent ici. Hein. Ah, mais ça pollue le... Ah, c'est vrai, putain. Ah, merde, comme le vent est là, en fait, c'est une erreur de faire les zones industrielles. Ici. Ah, vous êtes pas cons, vous. Ouais, wow, bah ça va là-bas, mais bon... Ah, sinon on est foutu, faut faire la zone industrielle tout là-bas, on est mort, quoi. Mais pourquoi je commencerai pas là, en fait? Parce que c'est pas là où les gens arrivent. Elle est là, l'autoroute. Eh oui. Il tourne pas, le vent. C'est vrai que ça c'est bien dit, parce qu'on dirait que, genre, le vent, il est là et il bougera plus à vie.
Le vent, il évolue. Station de pompage des eaux. Moi, je pompe. Boum. Bâtiment des services municipaux n'a pas accès. Oui, bah commence pas à faire chier, toi. Déménager un bâtiment de service, attends. Hop, là, je te fais les... Ok, donc très bien. Là, j'arrive ici, directos, avec ma petite route. Ma petite route, elle est super bien. Hop, ma petite route. Attends, j'ai vraiment envie de la faire, tu vois, mais vraiment avec un accès littoral, mais... Mais plaisir, là. Là, la route est sublime. Oh, c'est trop loin. Putain, je suis un con. J'ai déjà fait l'erreur. L'impression de jamais progresser dans les jeux. J'ai les mêmes erreurs en boucle. Oh, petite courbe. Petite courbe. Ça valide pas, là? Faut être plus près? Ils nous font chier aussi, hein. Ah, ils nous font chier. Nous, on veut, voilà, on veut du beau, hein. Voilà, bah on va le longer, ton truc. On va le longer, hein. Toujours pas? Pourquoi ils ont pas fait un truc où juste le raccordement est automatique? Faites un truc où le raccordement est automatique, je vous en conjure. Ok, non mais là, honnêtement, mon frère, ici, là... T'as une petite baraque ici, c'est magnifique. Alors certes, t'as une départementale derrière toi, mais c'est pas grave, tu te fais pousser quelques arbres. Petite vue montagne. De l'autre côté, tu te retournes. Bam! Là, le week-end, t'es en mode... Brian! Come with me, Brian! Attention! Ah, là, par contre, là, il y a déjà eu un enfant mort là-dedans. Aspiré par les eaux et tout. Histoire horrible. Histoire horrible, tout le quartier est au courant. Tout le quartier est au courant. Ah, c'est l'enfant des Langham. Enfant des Langham, ouais, il a été aspiré, putain, on l'a plus jamais retrouvé. Ah ouais, non, ça c'est... Bon. Ça c'est bon, ça. Ah, mais c'est vrai que sinon... Ah, mais je fais la même erreur en boucle, en fait, c'est la même chose que le canal. On peut juste faire deux tuyaux combinés. Oh là là, le trimar, c'est pas possible, putain. C'est pas possible. Ok. Non, mais comme ça, notre plan aura bien lieu. Non mais notre plan aura bien lieu, parce que là je vais faire direct en fait un canal. Voilà, je vais directement relier ça. C'était un bon gamin, bah ouais. Le... Foutu Langham. Comme ça c'est très bien. Alors... Pense construction, montée des eaux, glissement de terrain, odeur de la station d'épuration, PA. C'est les bases de l'urbanisme. Bon, je vis à Paris, ça pue au quotidien. Je le vis très bien. Ça endurcit. Hein. Ah ouais, non, parce qu'après... Bon, là déjà j'ai tout, là. Là ils disent qu'il n'y a pas d'eau, mais l'eau, c'est qu'elle est en train d'arriver, l'eau. L'eau arrive. L'électricité, par contre, on n'a toujours pas d'électricité. C'est vrai que l'électricité, faut la faire là-bas. Là, faut créer une zone de cauchemar, là-bas, là. C'est vrai que là-bas, c'est ma zone cauchemardesque. Mais je vais refoutre. Attends, je me remets en droit. Hop, hop, hop. Là, comme ça, je vais me foutre une zone induite. Mais maman, mais... Là, il va y en avoir à gauche, à droite, des zones indus. Tu sais même plus où regarder, quoi. Ah, je pensais que je pourrais mettre plus de zones indus. Je suis un peu déçu, là. C'est pas grave, je vais quand même pouvoir mettre une belle centrale à charbon. Attendez, juste. Zone industrielle, c'est pas... C'est pas bloquant. VS zone indus, hein. Ça les gêne pas, les gens, de bosser face à ça. Ils sont même très contents, non? C'est pas le taf rêvé, mais bon. Fait comme on peut, hein. Voilà. Si tu mets une zone indus... Non, là, c'est... Ici, là, ça pollue, là. Ici, ça pollue fort. Il faudra camoufler, parce que c'est vrai que t'arrives... En même temps, il y a des villes françaises, honnêtement, on va pas se mentir, c'est dégueulasse. T'arrives, t'as l'impression que c'est une zone de non-vie. Et en fait, voilà, une fois qu'on a dépassé toutes ces zones
de Flunch, de Décathlon et tout, on découvre toute la beauté hein, de ces petits villages, de ces petites villes sublimes. Il faut passer outre, il faut rentrer dans la ville. Voilà. Là, il faut pouvoir rentrer à l'intérieur et ensuite découvrir ce paysage local, mais au final, tout est... Oh, qu'est-ce qui se passe ? Route. Nécessaire pour le fonctionnement du bâtiment. Putain, parce que c'est l'électricité. Ah, en fait, si, c'était nécessaire. Mais c'est pas grave, on le prend pas comme un échec. On le prend comme une réussite. Parce qu'on peut toujours faire notre... Oh là 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 là, eux là. Alors certes, dans 30 ans, ils sont sous la flotte. Mais qu'est-ce qu'ils se mettent bien ? En attendant les 30 piges, qu'est-ce qu'ils se mettent bien, les cons ? Oui, je vais pas me gêner. Oui. Petit rond-point. Je pense que c'est nécessaire au bout d'un moment. Petit rond-point. Hop, petit rond-point. Into. Là, on raccorde. Non, pas rond-point partout, pas rond-point partout. Alt-Z. Ça marche pas, Alt-Z. Courbe. Ah, mais la courbe, elle est... Oui, oui, va la chercher. Oui, mon ami. Oh, c'est magnifique. Mais en fait, tu as deux doigts de me dire que... Ah, j'étais pas à deux doigts de me dire ça. Non, non, j'étais pas à deux doigts de me dire ça. Non, 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 là, il y a un... Il y a une merdouille, là. C'est qu'une question de temps. Hop. Là, ici, petit rond-point. Bien sûr. Petit rond-point, into. Voilà. Et là, on est parti vers d'autres aventures. Vers Mockland Bay. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ! C'est sublime. Pour l'instant, c'est sublime. On a du rond-point, on a de quoi être heureux. Ici, on a une super zone qui arrive. Attention, la zone d'activité qu'on va avoir là. Des petits terrains de paddle qui sont en construction. Mama ! Alors, pourquoi je suis en pause, là ? On a besoin que ça construise. Qu'est-ce que je fais après, là ? Je suis bon partout, non ? Il a quoi ? Lui, il a aucun problème. Lui, il a aucun problème. Oh, la vache ! Ah oui, c'est... Ah, c'est vu chiotte, quoi. Ah ouais, là, c'est... Là, t'espères que personne a une station de l'autre côté, quoi, parce que... Oh, c'est quoi, ça ? C'est le raccordement ! Ah, c'est le raccordement si on se nourrit chez les autres. Mais tout le monde va bien, là, en fait. Ah non, ils vont pas bien. Ligne à haute tension non connectée. C'est-à-dire, je dois être connecté à tout à ça là-bas, là ? Comment ça ? Comment ça ? Je comprends pas bien, là. Oui. Mais oui, Non mais là on crée quand même du courant, non ? Ah, pour vendre, pour vendre ! Ah non, nous on est en autarcie ! Ah, allez vous faire foutre ! Ah non, nous c'est invivable, c'est irrespirable dans la ville, mais on a juste pour nous ! Non, non, on conserve, on affame les autres. Ah, vous aussi vous aviez qu'à niquer votre ville, hein ? Ah, vous aviez qu'à avoir la bonne centrale au milieu du rond-point, juste à côté du carrefour. Ah bah ouais, les gamins, ça naît avec trois bras, mais on est heureux, hein. J'adore le temps qu'il fait, pas trop chaud, pas trop froid. Orson Robbins. J'ai deux habitants ! Putain, ils vivent où ? Il y a un motard ! Oh là 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 là, le gars est en road trip ! Il va où ? Oh, horrible, horrible la baraque, putain. Oh, ça construit. Ça construit partout ! Mais attends, il y a des vrais lofts, il y a des architectes, un petit panneau solaire en plus, mais on est une ville... Oh, oh là, c'est chez Gigi, ça. Il a son jacuzzi, il est bien. Mais attends, mais il y a des vraies baraques, là. Mais attends, mais c'est luxe, hein. Mais moi, je vais te foutre des bâtiments, là. Trois habitants, trois... Oh, ils... Mais attends, mais pourquoi il y a trois habitants et ils sont aussi nombreux ? Qui est cette personne, là ? Maisie McCoy. En cours d'aménagement adulte. Elle est instruite. Ils sont riches, hein. Employés, seniors. Employeur, c'est Boomer Fuel. Ah, bah, de toute façon, ici, nous, il n'y a que ça, hein. Ajoute... Ah, bon, je la suis, elle. On va suivre un peu naissance avril 2020, elle est récente. Hein. Elle est suivant un citoyen, ouais je la suis. On va la traquer un peu. C'est important, on va mettre son téléphone sur écoute. Ah oh, et lui, ça appartenait à la famille Devero. Qui vit juste ici, 171... Non, je t'en supplie, arrête avec les breaking news. Merde, j'ai pas d'eau, pourquoi j'ai pas d'eau ? L'eau n'est pas acheminée à ce bâtiment.
Non mais s'il vous plaît, nous mettez pas non plus le mec qui... On est sur BFM là, c'est infernal. Mais pourquoi il n'y a pas d'eau là? Ils sont pas contents? Pourquoi l'eau va que à droite? The city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary. Tu peux désactiver les annonces. Je veux désactiver les annonces. Mais j'ai pas l'impression que tu puisses. Tu vois? Volume radio, tu peux juste faire ça. Tu peux pas. Disponibilité dans le rouge, il n'y en a pas assez, je produis pas assez. Masterpiece. Ah, je te fais une deuxième. Je te fais une deuxième station, hein. Je te la mets juste à côté, on pompe, hein. Et il produit ou pas, lui? Clique sur l'onglet radio en rond tout en tout à droite. Ah, magnifique. Ah oui, je suis en pause, pardon, bien vu. Ah, c'est bon, ça envoie. Ça envoie, ça envoie. Et ça peut même partir à gauche. Oh putain, je vais relier. Je vais relier. Non, je crée un double canal. Je crée un double canal qui va continuer. Ah, mais ça, c'est comme si c'était une route. Mais t'embête pas, mon PA, t'embête pas. Vas-y, crois en tes rêves aussi, mon gars. Ouais, ils essayent de me casser mes rêves, là, mais... Et oui, la première sortie sur l'autoroute. Elle est là, la première sortie sur l'autoroute. Elle est magnifique. Je sais pas, j'ai une vision. J'ai envie d'une nouvelle sortie. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas ici? Un petit chemin qui amènerait juste là. Village minuscule. Vos efforts portent leurs fruits. 600 000 balles, putain. 1 de sécurité et 3 de vie. Ils vont mieux? Ils sont heureux, les cons? Ils sont heureux. Courbe-moi ça, PH, je t'en supplie. C'est vrai qu'on pourrait beaucoup plus être petit village. Le petit village, parce que là, c'est la zone blindée, là. Ici, là, on va se créer une zone blindée. Putain, attends, laisse-moi faire. Oh là là là, là je vais te faire une petite zone. Là, je te fais genre... In a small world. Là, tout le monde a des baraques de fous, là. C'est ça, c'est les zones un peu... Tu tournes à droite et là, c'est les zones où les gens viennent à cet endroit juste pour se dire waouh, c'est ici qu'ils vivent. C'est comme ça. Pas trop loin. Là, c'est horrible. Là, c'est le Décathlon après. Décathlon, on vous aime. Oh là là, oui, mais grandiose. Je t'envoie plus d'habitations. Là, je t'envoie de l'habitation. Là, je t'envoie. Oh, maison européenne mitoyenne de densité moyenne. Non, non. Là, il n'y a pas de densité moyenne, là. C'est que les richous, là. Richou. Hop, on finit. Tac. Boum. Là, plus richou, après. Fin des richous, là. Fin des richous. Petit rond-point. Et là, on repart en tout droit, là. Et là, on t'envoie de l'immeuble. Mais attends, parce que peut-être que je construis trop, en fait. Il n'y a pas autant de gens qui vivent, là, chez moi, encore. Là, on t'envoie de l'immeuble. Le rond-point des pécores. Ah, mais c'est très clair. Ne tourne... Non, mais attends. Route de gravier. Mais oui. Mais oui, c'est une petite route de gravier. Oh. Oh là 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 là. C'est ce qui sépare. Il faut que je crée des petites zones commerciales. Bien sûr. Là, c'est juste une route de gravier qui rejoint, là. Une allée.
Route étroite à deux voies sans trottoir permet la circulation dans les deux sens. Bien sûr, c'est juste une petite allée là. Ah mais en même temps, il va falloir quand même envoyer parce que là, il va y avoir du monde qui va vivre. Mais eux, on n'a pas envie de les impacter. Bon, on verra. Alors attendez, parce qu'il y a, on a des trucs à faire nous quand même. Oh, c'est sympa, putain. Demande. Mais personne demande des logements. Mais moi, j'envoie des logements. Ils demandent du commercial. Ils demandent des boutiques. Mais attends, mais je peux faire un entre deux. Bien sûr. Boum. Hop. Je t'envoie ici là. Je t'envoie du D4 là. C'est quoi le c'est City Skyline, frérot. Attends, est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce que c'est? Condamné. Mauvaise zone. Comment ça, il est condamné? Condamné. En dehors de la grille de zonage, il sera bientôt démoli. Ah bah désolé. Enfin, j'ai 12 habitants chez moi. Gestion des déchets. Il y a beaucoup de trucs d'un coup à comprendre là. Services médicaux. Bien sûr, les hôpitaux près des riches. Non, est-ce qu'on ferait pas... Ici, c'est très bien là. Petit hôpital juste là. Chevauchement des éléments. Route requise. Ah mais il me fait chier lui. Les gens veulent encore des bâtiments. Chevauchement. Mais tu vois là, on dirait que c'est bien là. Ah là c'est bien. Ah je t'envoie ça. Petit hôpital juste là en fait. Mais attends, mais c'est magnifique ce que je suis fait. Ce que je suis en train de faire là, ça demande encore à faire des baraques. Mais les gars, ils m'en demandaient pas tant, bordel, m'en demandaient pas tant. Tiens, je t'envoie un immeuble ici, moi. La musique, c'est fort, non? Oh, c'est l'ambiance. L'onglet budget vous permet de... Ah oui, liste des recettes. On fait de l'argent ou pas? Obtenu une boisson gratuite aujourd'hui dans notre nouveau bar. Mais venez. Impôts. Dépenses. Ah, on a plus de dépenses, mais bon, ça, on va s'en sortir. On n'a pas encore besoin d'un prêt. Les prêts sont un excellent moyen de financer la construction d'une ville. En cas de besoin, mais on n'a pas besoin. Pour contracter un prêt, déplacer le curseur. Moi, tout le monde a envie de venir chez moi. Hein. Moi, c'est assez fou. Hein. Et gestion des déchets, mon système de gestion permet aux citoyens d'être en meilleure santé. Ah mais la déchetterie, outil de gestion. Ajuster la zone de déversement d'une décharge. Une zone plus grande peut stocker plus de déchets. Ah bah la décharge... Oh la vache, la décharge en plus, c'est quelque chose. Hein. Ah la décharge, faut la mettre à côté des... Ah faut la mettre pas loin des... Ouais. Putain, où est-ce que je peux foutre ça, là? Ah, ça prend une place monstre, hein. Moi, je vais te foutre ça au milieu de... Où est-ce que je te mets ça? Je sais pas. Bon, on va foutre ça là-bas, hein. Allez, de toute façon... Là, personne... Là, c'est le no man's land, là. Hein. Là, c'est ici, de toute façon... Ah, si jamais tu passes là, mais genre rien qu'une demi-journée, c'est foutu pour toi, hein. Ah, tu chopes des maladies Bresson, hein. Alors, à chaque fois, je fais la même erreur. En fait, j'ai l'impression de pouvoir plus le tourner, mais je tourne pas assez. Attention à pas polluer l'eau. Oh, t'inquiète là, tout est pollué de toute façon ici. Hein. Ici, soit c'est pollué, soit c'est... En... Ah bah attends, merde. Non, je l'ai fait dans le mauvais sens. Ah, ça coûte de l'argent de raser. Attends, parce qu'en fait, j'avais pas compris que la route... Il pourrait te dire où est-ce que c'est l'entrée. Là, c'est pas évident. Je dirais que c'est comme ça, moi. C'est bon. Hop, une petite route qui part de là. Parfait. Il faut créer ta zone de décharge. Et c'est quoi ça? Pas d'accès par voiture. Bah j'arrive mon gars. Voilà, accès par voiture. Et la zone de décharge c'est quoi? C'est là où... Une zone plus grande peut stocker plus. J'ai pas compris. Je clique, ça fait rien. Soins mortuaires. Oh bah attends, on n'est pas déjà au cimetière. On a 15 habitants là. On a peut-être pas déjà pensé à ça. Merci Arthio. Tu peux agrandir ta décharge. Bon, ce sera pour plus tard. Hein. Oh non mais les gens me demandent de venir vivre. Excusez-moi, il n'y a pas de place pour tout le monde. Je suis désolé. Bonheur des citoyens augmenté, augmentation de la population. Je suis désolé mes amis. Je donne le maximum, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Tout le monde a envie d'être chez moi, bien évidemment. C'est la vie de rêve. Boum. Là, ça reste un peu luxe quand même. Mais là, on va envoyer du... Là, c'est quoi?
Mais européenne, mitoyenne. Ça reste ok hein, quand même. On est quand même en situation. Allez, je t'envoie ici de... Ici, je t'envoie, c'est vraiment le quartier résidentiel. Il n'y a pas un commerce. Ouais, mais ils s'en foutent hein, des commerces. Moi, c'est des gens, ils nous font pas chier avec les commerces. Hein. Ils sont pas là pour... Ah, ils viennent, ils veulent bosser. Hein. C'est... La seule demande de mes habitants, c'est travailler. Bon, je leur mets un peu de zone indus. Une bonne pluie pour satisfaire les plantes. Tu vois, ils sont pas chiants. Ah, vous voyez pas ça, vous? Je vais me remettre là. Parce qu'ils mettent des petits messages. Nous en mangeons chaud, nous venons d'ouvrir une nouvelle usine. On a que des usines. On se régale. Tu construis les mauvaises maisons car tes habitants veulent des maisons claires. Comment ça? Ah, merde. Oh, putain, merde, bien vu. Ah ouais, ils veulent pas vivre dans... Ah, fais chier. Bon, tiens, un peu là. Ah, bien vu. Onzux, merci pour le prime. 114 personnes qui vivent. Ils vivent bien en plus, hein. Alors là, ça va, la déchetterie tous les jours avec le smile, hein. Ah, ils en veulent encore plus. Ouais, mais ça, honnêtement... Ouais, mais là, ils vivent là-dedans, là, honnêtement. Parce qu'on dirait que... Alors, vas-y, hein, je vais construire partout, du coup. Hein. Vous cherchez un emploi, retrouvez-nous à 422 rue des Oliviers. Appelez-nous. Emploi disponible. Et là, ils vont vouloir petit à petit des logements de densité moyenne. Non, mais là, on n'a rien à faire, là. Je suis... Ma ville, elle est incroyable, en vrai. Ah, c'est bon, ils ont aucune demande. Augmentation de la population, tout est bon. On construit à balle. Regardez un peu comment ça vit, là. Ça s'arrête sur le bas-côté, ça achète. Par contre, c'est pas très clair ce qu'il y a un trottoir et... Oh là 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 là, mais attends, mais là, c'est carrément... Mais c'est Amsterdam, hein, chez moi. Tu feras gaffe, t'as une baisse. Ah bah oui, on peut pas être... Encore des... Mais s'il vous plaît, mais comment vous faites ça, là? Je suis consterné par les façons dont les soins de santé sont gérés dans cette ville. Vous ne savez jamais si vous serez soigné ou non. Mais qu'est-ce qu'il a, le connard, là? Vite se calmer, lui. Hein. Eh oh, tu veux pas être... Attention, hein. Il est fou, lui. Non. Un rond-point, non, pas trop de rond-point. Parce que le rond-point, il est addictif. On a tous envie de faire des ronds-points, bien sûr. Mais il faut savoir doser. Oh, mais là, attends, mais c'est très très bon ce que je fais. Un peu de commerce, pas loin, du commerce proche. Est-ce qu'on peut mettre... Mais voilà, là, on a l'impression. Non, je t'en supplie, ferme ta gueule. Merci. Laisse-nous en paix, là, sur ce moment de douceur. Quoi? Qu'entends-je? Une nouvelle zone industrielle vient tout juste d'arriver rue des Oliviers? Oh non, ce n'est pas possible, vite! Mettez-moi deux bâtiments à côté. Boum, une zone là-bas aussi. Oh, vite, ils veulent des commerces. Mais pourquoi on n'a qu'un choix de commerce? C'est un peu décevant, ça. Oui, là, c'est des petits magasins, là. Parce que là, tu vois, c'est des... Pff, là, on est aux États-Unis, là, ça va, là. Là, il y a plus de parking que de commerce. Non, moi, je veux du petit européen. Puis voilà, boum, une petite boulangerie. Bien sûr, on a tous envie d'avoir la petite boulange. Hé, hey, dis donc, Monsieur Albert a ouvert une nouvelle boucherie. Hop, tu vois, on alterne. Un peu de truc, boum, pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Une grande zone commercial, par contre, là. Oh là, là, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et derrière, des petites maisons. Et on repart en petite maison. Bien sûr, dans les entre... Hop, lui, il vit entre deux trucs. Hop. Comme ça. Hop. Huit. Oh, ils ont besoin de rien. Je pensais pas avoir besoin d'une veste aujourd'hui. Mais il fait un peu frisquet. Plein de temps libre. Mais il faut consommer, par contre, hein, parce que... Qu'est-ce qui se passe, là? En attente d'un corbillard. Il y a un mort? Content. L'a tué? Corbillard.
Putain, j'ai rien pour les morts. Ah, déjà, quoi. Ils ont pas survécu longtemps, les cons. Cimetière. Dernier lieu et transporte les morts à l'aide d'un corbillard. Ah ouais, le cimetière. Bah attends, non mais là, c'est le cimetière de Paris, là. Bon, on va faire une fosse sceptique, hein. On va faire une fosse sceptique. Bah, vous êtes enterré à côté de la centrale nucléaire. Ah, j'ai pas le choix, je suis désolé, hein. Attends, la route, elle est où, la route? Merde, putain, à chaque fois, je veux... Dans la rivière. Ah, mais crématorium, c'est après. C'est peut-être bizarre d'entrer dans la ville et directement d'avoir un cimetière. Faut peut-être... Ouais, mais là, c'est vraiment le No Man's Land, là. Là, ici, c'est pas mal. Ici, je pense que c'est une bonne zone. Pour un bon cimetière. Non, mais je pouvais l'avancer. Sinon, je peux encore l'avancer, en fait. Je l'avance encore. En face de l'hôpital. Non mais c'est pas... Par contre, excusez-moi, mais tout est version Amérique, quoi, parce que là... En même temps, c'est ça qu'il faut des places, hein. Clique sur le 3 en bas de l'écran. Carreau de carte. L'achat de nouveaux carreaux vous permet d'étendre la zone dans laquelle vous devez construire. Vous pouvez sélectionner des carreaux à l'aide de... ressources naturelles. Vous pouvez planifier le développement industriel de votre ville en étendant aux zones qui offrent une ou plusieurs des ressources naturelles. Achat. Non mais on est encore petit, nous. Acheter des carreaux. Liaisons extérieures sont des routes vers des villes voisines. Route fluviale. Oh, itinéraire aérien. Là, par exemple. Non, il y a de l'eau, là. On veut du pétrole, peut-être. Oh, il y a du pétrole, putain, ici, j'achète là. Oh, la vache, il y a 600 tonnes de pétrole. Oh là là, ça c'est une case intéressante, ça faudra garder en tête. Ça peut être... C'est un peu tôt, mais faut faire gaffe. Faut faire gaffe parce que les maires aux alentours, ils aient pas scouté non plus que ça soit un bon plan, ça. Parce que, bon, le corbillard, il va venir ou pas, là, du coup? Non, parce que là, c'est Disneyland, hein, si tu veux, c'est... Là, y a carrément des attractions dans ton cimetière, là, c'est... Il ne peut pas pleuvoir tout le temps, j'espère. Et si, Gabriela Montoya... Désolé, Gabriela, forcément, c'est ses origines d'Amérique du Sud qui surprennent un peu. Voilà. Bienvenue dans le Nord. Alors. Bon, bah nous, là, on a tout, hein, j'ai l'impression. Il y a lui encore qui a un petit problème, mais... Oh, qu'est-ce qui se passe? Condamné. Ah, parce que j'ai bougé. On va perdre une zone industrielle. On a encore besoin de maison, hein. C'est fou, ce besoin de maison, mais... Oh là là, mais... C'est dingue, dingue, dingue. Hop. Ah, j'ai encore construit, là. Hashtag pleuvoir. Ah, c'est un point de compétence, ça? Oh! Art de développement. On sait bien, ça. J'ai pris quel thème? J'ai pris européen, moi. Mais bon, il y a quand même des parkings à tout va. Rond-point. C'est une alternative pratique. Permettre une meilleure... Ouais, mais j'ai déjà, du coup... Installation, entretien des routes, feu de circulation, panne. Ouais, on va faire ça. On va faire ça parce que... Zone de stationnement, il y a déjà des stationnements partout. Je vais prendre les services avancés. Prendre les services avancés de route. Comme ça, on va pouvoir... service routier. Ah ouais, mais là, il faut gérer, là. Service routier. Service d'entretien routier. Panneau stop. Interdiction de tourner à gauche. Bon, c'est bon, on a tous le code, hein, c'est bon. Base d'opération pour le personnel. Non, mais là, j'ai une base, ici. Honnêtement... On a un endroit qui ne fait pas rêver, mais on stocke tous les métiers nécessaires. Oh, je veux pouvoir faire des petits arts. Oh, et en vrai, ça régale. Hein. Visiter notre nouveau point de vente, Short Market. Bien sûr, acheter. J'ai encore besoin de maison, mais c'est pas possible, cette... Hop, là on est bien. Là on est bien, pas d'inquiétude. Les nids de poules, c'est bientôt la fin, bien sûr.
Ah c'est bon, on a déjà fait ça. Une bande d'air pour orner le bord de la route, mais bien sûr. Pourquoi une seule d'ailleurs? Pourquoi pas deux? Mais bienvenue chez les richoux là, ici. Pourquoi je peux pas remettre des arbres là? Ah, il y a déjà des arbres. Trottoir large, passage piéton. Oh bah alors là tout le monde a envie de venir chez moi là. Encore des arbres. Oh, c'est vraiment les lotissements à l'américaine là putain. Encore village 2, petit village. Non mais le prix au mètre carré est légendaire ici. Hein. Là, alors, oh, on peut faire des éducations, ok. Attendez, parce que là, il y a un vrai besoin. Là, ça va être le moment où éducation et recherche. On va avoir besoin de demande commerciale. Attends, déjà, j'ai un point en plus. Ah, mais j'ai qu'un point, là. Ah non, j'ai deux points. Grands axes routiers, autoroute. Oh, on n'en est pas là du tout, nous. On n'en est pas là du tout. Zone de... d'air de stationnement réservé. En fait, le problème, c'est que... Ah ouais, parce que là, t'as du parking, mais... Ah, peut-être prendre le truc de parking, quand même. Mais putain, mais je suis un trimard. En fait, là, je suis dans le truc des routes. Il y a plein d'autres choses autour. Genre là, je peux débloquer crématorium, par exemple. Ah ouais, moi, j'ai juste commis dans les routes. Les routes! Oh là là, le con... Petit parc de stationnement. Mais oui, attends, mais là, on est clairement sur... Mais... J'adore le temps qu'il fait, pas trop chaud, pas trop froid. Mais quel régal. Mais tenez, venez garer vos voitures ici, là. Très grand parc. Non, c'est trop grand, ça. C'est trop grand, si. Voilà, on a besoin d'un truc un peu à taille humaine, quand même. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Eh, vous me sortez toutes vos caisses, là, hein. Non, il faut pas que je fasse ça, là, comme ça. Je vais le déplacer, je vais le mettre en face de... Oh, quoique c'est bien, c'est entre les deux trucs. Parce qu'il y a des gens qui viennent quand même. 400 personnes déjà hein, qui vivent. Hein. Enfin, éducation. Services municipaux d'éducation, niveau d'éducation, parcours d'éducation, lycée, école primaire. Il nous faut une école primaire. Pourquoi c'est rouge là? Éligible 28. Ouah, ça joue à tellement rien. Je suis tellement pas loin de pouvoir mettre ça là. Oh mais le terraformage est horrible. Ça c'était un peu le problème déjà. Bonheur des citoyens augmenté. Tu peux modifier le relief. Oui, je peux aller un peu... Pour la suite, c'est un futur lycée. Le marché du logement craint. Où puis-je me plaindre? J'aimerais bien vivre dans cette ville, mais il n'y a pas de maison disponible. Qu'est-ce qui se passe? On est les boss. C'est impossible d'acheter. On est directement creusé dans la montagne. Donc si vous voulez, c'est... Des végétations. Des arbres, des buissons. Thème. Mode outil. Putain, là, déjà on est en train de perdre pied là. Cette ville a l'air incroyablement bruyante. Je peux à peine m'entendre penser. Il faut à tout prix que je développe des points en commerce, quoi. Il faut à tout prix qu'on débloque ça, là. De toute façon, là, en commerce, ils ont des besoins titanesques. Hein. Je vous le dis, titanesques. Et là, on va se faire des petites maisons, je pense. Hein. Ah. Logement détruit. Ah, j'avais pas vu. Oh non! Oh, j'ai démoli le loge. Mais non, mais j'ai pas fait exprès. C'est juste qu'on voit pas parfois où on peut poser. Oh
Oh non, ils sont durs, là. Là, ils sont durs. Bon, une zone industrielle, là, ça fait longtemps. Ah ouais, non, c'est dur, là. Enfin, moi, je vais continuer ici, hein. Ici, je vais continuer et... Et là, on va t'envoyer de la zone industrielle comme jamais, là. Je déteste ce présentateur. Ah, il y a deux sons. Ouais, mon gars. Ok. Ok, alors très bien, ça. Donc là, petit à petit, inauguration, retrouvez-nous. Moi, je vais déjà bosser là sur un projet. Là, j'ai déjà ça. Il nous faudrait un lycée. Parce que le lycée, c'est énorme. Ça, on a déjà le truc ici. Il faudrait limite que le lycée soit par là, là. Ouais, mais là, t'as limite envie de faire une 3 voies, là, ici. Voire une 4 voies. Non, attends, mais il y a un embouteillage de zinzin. Attendez, comment je pourrais m'y retrouver? C'est pas si con de faire ça, là. Alors, attendez. Hop, on peut faire ça. Là, on a envie, en fait, d'une 3 voies, ouais, si je pense. Hein. Même plus, hein. Je vais faire une autoroute. Là, c'est dommage, en fait. Pas très beau, quoi, mais... C'est qu'on a déjà fait plus beau, quoi. Là, on est dans un espace un peu cimetière, tout ça. Tu vois, j'aurais aimé une grosse route, là. Le rond-point de l'étoile. C'est vrai que le rond-point est un peu petit, peut-être, pour faire ça, là. C'est vrai que t'as envie de faire des grandes 6 voies, là. Moi, je suis assez d'accord, hein. Qu'est-ce qu'il y a, là? Là, il n'y a rien, là? Pourquoi on n'a pas encore construit, là? Domaine, zone industrielle. La façon dont les soins de santé sont gérés. Vous ne savez jamais si vous allez être soigné ou pas. Bah, attends, ça se passe super bien, là. Patient 1 sur 100. Efficacité 106%. Ça nous coûte une blinde, hein. Il commence à faire chier. Moi, je vais augmenter les impôts, hein. Ça va être l'heure, là. Parce que là, niveau thune, on commence à être dans le mal, là. Hein. Et ouais, on donne tout. On donne tout. Fiscalité. Taux d'imposition, allez. Hop là, on taxe un peu plus, là. Allez, on taxe, on taxe. 15%, je mets 12% les commerces. On touche pas encore, on touche pas encore aux habitations, mais c'est... Ça ne saurait tarder. Hein. Alors, niveau soins, on est comment en clinique? Est-ce que je peux l'agrandir? Je peux pas l'agrandir. Je vois beaucoup de beaux objets luxueux. Ouais, c'est vrai, ça. Vous allez me trouver une bonne affaire. Oh, ça like, en plus. Ils font part de leur situation. Ok, très bien. Mais plus de... Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, on a un mort. Ça devait arriver aussi, hein. Encore des bâtiments, quoi. Encore des gens qui veulent bosser. Bah, c'est peut-être le souci, c'est qu'ils veulent que du... Ils veulent que du faible densité. Tu m'étonnes, personne n'a envie d'être... Ah tiens, faible densité, vous allez vivre... Voilà. Vous allez vivre à côté du cimetière. Petite vue cimetière, c'est pas pour déplaire. Hein. Non, faut pas... Et là, je pense que je pourrais faire un truc tout ici, là. Pas nécessaire, ça. Est-ce qu'on a besoin d'encore plus? Mais là, on va avoir un souci de déchetterie, en fait, je me dis.
Là, je me dis que... Maison de retraite à côté du cimetière. En même temps, c'est un village, pas une métropole. Oh bah, village, village, c'est vite dit quand même, hein, parce que... On n'est pas loin de la multinationale, quand même, là. Ah, il faut courber, ça, il faut courber. C'est quoi ça, statistique sur la ville? Oh, j'adore. Argent. On a un peu perdu, on est quand même bien remonté. Revenus, dépenses. Ah, les dépenses sont stratosphériques. En même temps, bon, on est obligé d'investir pour attirer les gens. Richesse, richesse des ménages. Oh là 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 là, mais putain, mais venez vivre chez moi, regardez comment vous progressez. Richesse commerciale, c'est difficile. Richesse des bureaux, je sais pas, il nous manque des choses là. Il nous manque emploi. Emploi, on est comment en emploi? Ça bosse? Oh là 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 là, mais c'est dingue, mais c'est dingue, mais c'est le futur chez nous. Bonheur? Santé, bien-être, on est bien, on se sent bien. Évolution, évolution, c'est pas, 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 pas. Nombre de ménages, et allez, on y va. Dénombrement. Travailleurs, est-ce qu'il y a du chômeur? Le chômage qui baisse. Le chômage qui ne fait que baisser, en fait. C'est-à-dire que... Éducation, l'éducation, les gens sont... Ah, si... Citoyens peu instruits. Ah, ils sont tous cons. Ah, ils sont tous cons. Ah, mais j'ai 1 million, j'ai cru que j'avais plus que 109 000. Ah, ils sont un peu con-con, quand même. On va leur faire un lycée. Mais est-ce que le lycée, ça... Oh, si j'arrive à caler le lycée ici. Ah, j'ai l'impression que ça va être dur. Oh, putain, on est pas loin. Ah, à chaque fois, j'ai envie de cliquer... Ici? Ici, le lycée? Ici, le lycée? Oh, magnifico, mon ami. Directement en sortie d'autoroute, t'as ton lycée. Oh, c'est... Mais une école, mais j'ai déjà l'école, là. Là, j'ai déjà l'école, hein. École primaire. Pas fou. Ouais, mais après, on fait comme on peut, hein. En vrai. Attention, PA, tu peux rajouter des trucs au lycée, stade et tout. Bah, sinon, je te le mets de l'autre côté, hein. Le lycée, je te le mets là. Bon, Gisèle, elle commence à nous emmerder à pas s'entendre penser, hein. Je fais chier tout le monde, Gisèle, là. Hein. Les bouchons. C'est vrai que tout le monde va vouloir aller au lycée et ça va être la merde. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Éducation. Ah, c'est les cons? Et ils sont cons, eux. J'arrive pas à bien comprendre ce que c'est. École primaire. Pierre. Édouard. Anna. Je peux acheter une nouvelle parcelle de terrain. Ah, mais on n'est pas là, là. Où est-ce que je fais ce foutu lycée? Pauvre pour PA égale con, super. Non, là, ils sont juste vraiment cons, là, c'est pas... Là, c'est juste les cons, là, c'est... En plus, c'est les riches, là, ici, hein. Ici, c'est les riches ou, hein. Enfin, tout le monde est riche, hein. Par contre, c'est vrai que le terraforming, il est vraiment... La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, en fait. Là, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un bâtiment. Soins de santé, c'est encore la merde, mais bon, le bonheur va bien. En fait, ça peut peut-être être... Là, t'as toute l'industrie et tout. Là, on va foutre de l'industrie à balles, là, en fait. Là, on va foutre de l'industrie à balles, donc... Non, moi, je verrais bien un giga campus, en fait. Je verrais bien un giga campus. On préfère peut-être la musique tout à l'heure. Un peu détente. Le truc, c'est qu'il faut déjà mettre les routes, en fait. On va mettre les routes. Mais en fait, si on veut mettre les routes tout en étant un peu en opti... C'est quoi? Moi, je me permets. Je fais un nouveau rond-point. Ouais, je sais, les gars. Ouais. Excusez-moi. L'ambition amène l'ambition. Ah, c'est pas un move que tout le monde aurait fait, ça, bien évidemment. Oh là, trop de rond-points, là. Trop de rond-points. Un peu trop de rond-points. Mais là, le back-to-back rond-point, il est pas si dégueu. Mais là, ça construit, en fait. Je peux pas faire ça.
Bon. Cette route, on l'aime pas trop, mais... Oh, cette route, elle est dégueulasse. Hein. Cette route... Mais au moins, ça va permettre des choses. Ok, comme ça. Là, ici... Attends, j'ai besoin de commerce en plus. Ici, on se fout full commerce. Comme ça, tout le monde est content. Le triomphe des perfus. là, peut-être un petit parking. Un petit parking Ito, là. Non, un tout petit parking, en fait. Tout petit parking. Très bien, ça. J'adore le temps qu'il fait. Super. Bien construit tout ça. Il y a encore besoin d'habitation. Là, à l'intérieur, j'ai envie de faire plein de temps libre. Hashtag vie heureuse. Mais vivez, mes loulous, vivez. Tu vois, en fait, t'as des trucs, t'as l'impression que tu vas construire sur eux. Donc, c'est un peu chiant. Parce que là, je pourrais envoyer, là. Hein. Mais ça, c'est une zone... c'est pas une zone idéale, ça. Là, je fous des maisons là, mais c'est les maisons, ils sont pas très heureux d'être là, eux. Eux, ils ont un peu le mort. Ok, je mets tout ça, très bien. Très bien, et je pense que là, je vais le faire, je vais poser le lycée. Je vais poser le lycée, et le lycée va être titanesque. Et en fait, on va laisser toute une place tout autour... là, le lycée, on va bien sûr mettre une petite allée en mode on est à Beverly Hills, là. Éclairage, mais c'est important d'avoir des éclairages, là. Pourquoi je peux pas éclairer? Pourquoi je peux pas mettre? Passage piéton. Hop, un petit passage piéton. C'est vrai que j'ai pas de passage piéton. Hop, un petit passage piéton. Hop! 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 Hop. Hop, devant l'école, bien sûr. Très important, les passages piétons. J'avais pas de passage piéton, bordel. Comment on fait pour avancer? Vous savez pas. Vous avancez pas, les gars. Juste en mode, bon, non, je peux pas. Et là, on se met aussi... Bah, c'est magnifique, hein, ce qu'on fait, hein. C'est des grandes avenues très ricaines, mais... Ok, très bien, ça. Très, très bien. Là, on a un lycée, là, les gens vont commencer à être éduqués, là. Pff, les lignes droites, c'est trop. C'est important. J'adore le look de nos maisons, tu vois. Comme ça, au moins... Ah, on peut désactiver les pubs radio. Putain, t'es pas sûr. C'est bon, maintenant. Un parking en face du lycée. Mais non, en fait, ils ont déjà des parkings. Cette ville est incroyablement bruyante. Ouais, mais c'est quand qu'on fait des activités, nous? En fait, c'est avec les points, sauf que les points, on n'a pas tant de points que ça. Faut que je passe en x2, en fait. Là, j'ai tout ce qu'il faut, je pense. Hein. Là, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Non, mais là, tu cabres devant le lycée, tu sais. Là, normalement, ça drift devant le lycée et tout, là. 10 minutes de route, un rond-point, un lycée. Bah, c'est assez fou, quand même, non? Moi, je trouve ça pas dégueu. Ouais, je le fais. Eux, ils vivent juste à côté de la décharge. Pendaison de crémaillère. Oh, Maisie. Oh, you. Oh là là, toujours cette foutue Maisie. Ah, mais là, on est sur d'autres gens, là, en fait. Ça, je comprends pas bien. C'est pas bien fait, ça, je trouve. Là, si jamais je crée la zone industrielle, ça écrase le reste. Ça, je comprends pas, ça. Ouais, hop, là, on se met une nouvelle zone industrielle. Hop, 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 hop. Devant le lycée, qu'est-ce qu'on a? Petit Franprix! Attends, comment je fais pour juste cliquer sur un bout? Ah bah merde. Oh, il y a que des... Oh là là. J'ai tout fait. Bon, devant le lycée, il y a que des... En bas à gauche, ok. Ok, ok. Je vois beaucoup de beaux objets. Densité. Ah, ils veulent de la densité moyenne, mais ça, on a construit pour... Augmentation de la population, nous adorons notre nouvel emplacement, inauguration.
Ah là, va y avoir du Franprix devant le lycée, là. Ah là, je peux vous dire que... Attendez, je vais rejoindre la route, comme ça. La route, on va la faire rejoindre. Et là, en vrai, moi, je me mettrais bien une 3 voies, là. Oh là là. Vaste village, reprends 800 000 balles. Grégou, merci. Mets des feux rouges. Non. Oh, j'ai les sapeurs-pompiers et j'ai les flics. Poste d'incendie, exploitation minière, élevage de bétail. Oh, on grandit, hein. Développement. Établissement d'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on se prend, là? Petit abri d'urgence, une tour de guet. Bureau de l'aide sociale. Un soutien financier aux citoyens à faible revenu. Ah, mais ça, ça servira après, ça. Ça servira après. Usine d'incinération. Produit des déchets. Ah, c'est bien pour après aussi, ça, putain. Plein de trucs où c'est bien, en fait, hein. Hôpital. Fournissent à la fois des soins médicaux de base et des traitements spécialisés. On va faire un hôpital, je pense. On va faire un hôpital. Et on va faire un établissement de supérieur. Comme ça, on est au max. Pourquoi je peux pas faire d'hôpital? Ah, c'est 1,8 million. Oh la vache. Premier pas vers l'enseignement supérieur. Notre système d'éducation est tellement extraordinaire, c'est un bonheur de vivre dans cette ville, Preston. Regardez-moi ça un peu. Vu du ciel, là, un peu, comment ça doit être magnifique. Il n'y a pas de collège. Si, si. Ville est incroyablement bruyante. Ouais, ben ça, on le sait, ça. Là, je vais me faire une petite allée. Alors, zone. Outil pour zone. Alors ça, j'ai toujours pas bien compris, le truc de déchetterie. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs qu'on peut faire... Gestion des déchets. Ça va, les déchets? Ils ont l'air d'aller. Statut du traitement. Supérieur au taux de traitement. Les camions ne peuvent pas collecter. Le fait d'être dans le rouge a pas l'air génial. On a l'impression qu'on n'est pas au top, 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 là. Niveau d'incendie moyen. Lutte contre les catastrophes. Disponibilité des abris. Ah, ça va, on n'est pas en Floride. Légende, éducation. Ah, y a rien en établissement d'enseignement supérieur. Il y a 370 personnes qui peuvent. Ah, Arda, attends, c'est incroyable. Je trouve la ville de tes futurs enfants, là. Faut que tu fasses plus de sous. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh, spécialisation industrielle. Oh! Mais je vais faire des poulets. Je vais faire plein de poulets, là. Vous pouvez me remettre la lumière, s'il vous plaît? Différents types de ressources naturelles. Nous cherchons des employés pour notre nouvelle ferme. Mais bien sûr, ça bosse, là. Ça bosse non-stop. Hein. Ça qui est beau, c'est qu'ici, ça bosse, ça bosse... J'ai pas encore un point de compétence? Ah non, je l'ai mis dans le lycée. Truc qui coûte 3 millions. Bah du coup, il nous faut des commerces et on va les taxer, les commerces, quoi. Hein. Bienvenue. Le problème, c'est que... Bon, voilà, je vais t'envoyer du commerce, mon frère. Ça va vite être vu, là. Là, y a rien, on est d'accord. Ah bah là, c'est du commerce, hein. Le truc, c'est que c'est... Oh non, c'est du commerce derrière. Non, honnêtement, c'est super, là. J'ai encore plein d'espace à commerce, hein. Oh, et là, je te fais un bâtiment. Dedans, ils veulent quoi? Ils veulent de la densité moyenne. Petits immeubles en appartement de style européen. Je te fais juste à côté du lycée, il y a des gens qui sont là. Oh, yo, 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 mamma mia. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Bon, il y a des gens qui sont un peu en chien, là, qui vivent là, mais bon. Hein? Oh non. Oh non, mais ça, normalement, il a jamais le permis de construire, lui. Oh, il a créé sa baraque au milieu de tout. Oh, le chien. Attendez, est-ce qu'on a des carrières, là, ou pas? Est-ce qu'on peut... Pollution de l'eau. Comment on voit ce qu'il y a... Où sont les terres? Terre fertile, zéro. Ah ouais, mais du coup, nous, on va juste s'envoyer du poulet, hein. On va s'envoyer du poulet à mort.
Non mais là, 1300 habitants, ça me semble zinzin le nombre d'habitants. Ah mais en même temps, j'ai fait que des maisons. Non, c'est juste que là, je peux pas vendre encore. Mais tout va bien hein, dans l'ensemble. Non mais attendez, mais juste, on est en train de grossir à une vitesse. C'est assez fou là. Hein. Là, ici, il me faut un truc. En fait, il me faudrait carrément un truc commercial européen, forte densité. Comme ça, j'envoie ici un énorme supermarché. Mais là, j'ai encore de quoi faire. Oh, j'ai fait nimp. Non, il faut que je puisse passer là. Attendez, poussez-vous, poussez-vous, il faut que je puisse passer. Ah, mais je pourrais pas raccorder de l'autre côté. J'ai tout ça qui sert à rien. Oh, j'ai merdé. Qu'est-ce que je peux faire là? Mais je vais faire une forêt, moi. Oh, la police. Ah, ça passe, la police. Oh, la police juste à côté du lycée. Le stade de foot, ouais, mais faut qu'ils y aillent au stade de foot. Pompier. Ah, pompier, c'est tout petit. Je vais faire les pompiers là, comme ça, tout le monde se sent bien, là, dans le quartier. Ah, mais moi, je vis ça, hein, avec la... Tout le temps, t'as les sonneries et tout. Parking et lotissement avec impasse. Je peux faire une impasse, mais vous êtes grand, vous êtes grand, vous... Vous êtes très très grand. Attendez. Est-ce que je peux rentrer ça là? J'ai l'impression que c'est tout pile les flics. Ça passe non? Oh, tout pile. Tout pile. Oh bah alors là on est vraiment bien. Hein. Attendez parce qu'en fait j'ai accéléré à vitesse grand V là. Zone résidentielle. Bah je te renvoie du... Là je te renvoie de l'immeuble. Hein. Je te renvoie de l'immeuble. Oh c'est moche. Hein. Oh bordel. Je peux détruire les bâtiments, mais je peux pas détruire, là. Là, je suis en situation où je fais que... Qu'est-ce qu'ils ont, les poulets? Ça se passe, la ferme, là? Je suis en situation où je peux pas détruire, en fait. Pas trop ce qui se passe ici. Bon, ici, ça fait juste de la zone indus. Hein. Ici, ça fait un peu de poulet. Et sinon, majoritairement, c'est de la zone indus. Hein. Ah là, c'est... ah, t'arrives en ville, je peux te dire que... Ah, c'est le Havre, quoi. Ah, tu débarques dans la ville, t'es en mode putain. Mais c'est pour ça que t'as jamais envie de la quitter non plus, la ville. Parce que dès que tu casses cet esprit un peu « Oh là là, on déteste, on n'aime pas et tout », en fait, c'est tout simplement merveilleux. Alors, redites-moi bien le truc de commerce, là, juste que je remerde pas. Sélection, zone à remplir. Merci. Merci, chat. Oh, vous êtes bien aimable, chat. Voilà, comme ça. Magnifique. Je suis du Havre. On est ensemble. Bon, moi, je me ferais bien zone non pavée étroite à faible vitesse pour les véhicules adaptés à la périphérie des villes et aux zones rurales. Route étroite permet la circulation dans les deux sens. Tu vois, je me serais bien fait une petite route. Ah non, on doit détruire. Non, je détruis ça avant. Et là, on doit quand même détruire. Oh, on a détruit. Bon, bah alors dans ce cas, on va se faire tout un truc. Hein. Là, on est parti sur autre chose dans ce cas. Dans ce cas, je pars sur... Je peux pas faire un... Oh, magnifique. Voie unique. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais être grand, les gars. Je préfère juste prévenir tout le monde, je vais être très grand.
Là, on pourrait encore bosser un peu, là. Magistral. Magistral, ce que je suis en train de faire. Attends. On n'était pas obligé de faire une ou deux voix comme ça. Attends, comment je sélectionne pour changer, là? Sens unique in tout cul-de-sac, exactement. Non, c'était pas si malin. Oh là là, non. Enlevez-moi cet outil! Non, mais je voulais faire, tu sais, un petit truc qui... Genre un petit truc pavillonnaire, quoi, tu vois. Mais ça marche pas. Si c'est sens unique, il sort plus ici, parce que je voulais faire une boucle, tu vois. Mais bon. Oh, j'ai été... Je suis abattu, et ils revolent des trucs. Tu vois, là, c'est pareil, qu'est-ce que je vais foutre ici? Through a silent, audio masterpiece. Now, here we sit, listening at full volume, and our souls are transported. Ok. Mais un parc. Mais on n'a pas trop de parc, en fait. Tu vois, c'est, je peux foutre de la végétation, mais sentier. Les sentiers sont destinés aux piétons. Ils peuvent être construits là où il y a de la place. And on to our main feature story. Oh, j'adore. Je t'en supplie, ferme-la, quoi. Je peux plus, par contre, d'avoir ça, là. Ah, c'est infernal. Mais oui, pourquoi pas? Mais pourquoi c'est aussi courbé, là? Mais y du tien. Voilà. Voilà. Oh la vache, l'enfer. L'enfer. Et si ! Et si, la coulée verte, on l'appelle. Oh là 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 là. Mais ça, mon gars, mais pour... Si t'as un chien ou quoi, t'es en régal, là. Bon, ça a pété quelques habitations, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, regardez, ça fait un petit chemin dans... Mais bien, c'est génial, en vrai. Hein. En fait, c'est très abrupt, quoi, les virages, hein, c'est... Voilà, je vais donner de l'angle, là. J'arrive pas à donner de l'angle, moi. Petit point d'eau. Oh ! Excuse-moi, mais... Non, mais... Excuse-moi, mais vraiment, toi, t'es quelqu'un, toi, hein. Ouais, mais là, y a que des acacias, y a que des... Moi, je veux un petit trou, en effet, je veux un petit lac, là. Un petit quelque chose, un petit... Un piétonnier couvert. Ah non, ça c'est des gens, ils vont zoner en dessous, plus personne n'osera passer. Ah, très mauvaise idée de faire des tunnels. Personne aime les tunnels. Continue, mais oui, c'est une série de virages que je veux faire, moi. Bon, en vrai, c'est très bien, hein. On dirait un peu genre un truc qui a des tentacules. Mais Mais j'y vois une valeur ajoutée. J'y vois un quelque chose, moi. Bon, j'ai tout ratiboisé du coup, mais y a plus d'habitation. Mais au moins lampadaire le long du chemin piéton, là on peut pas faire ça par contre. Ça c'est interdit ça. Le virage est horrible côté fleuve. Là ah, c'est une coudasse quoi. Disons que c'est une coudasse mais...
Des buissons, quelques bancs de pique-nique. Non, mais là, on n'en est pas là, les gars. Là. Là, déjà, on les met trop bien. Là, là on les met beaucoup trop bien par rapport à ce qu'ils nous donnent. Ah, établissement d'enseignement supérieur. Hein. Oh, eh oui. Ouais, mais là, c'est tout au même endroit. Peut-être le problème. Après. Oh merde, ah, c'est de l'autre côté en fait. Bon, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Bon, là, on a toujours une question de ce qu'on fait ici. Oh merde, qu'est-ce qui se passe là? Pas assez d'eau. Pan. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez, les gars? Ah, parce que ça, c'est pas. Bon, il faut me prévenir, les gars. Faut pas hésiter, hein. Eh, vous passez un petit coup de fil au maire et. Ah. C'est-à-dire. Attendez, mais là, je comprends pas, là. Bon, pourquoi on est sous terre? Attends, moi, je fais des câbles marins ou quoi, là? Je comprends pas pourquoi t'as mis un lycée dans un petit village. Faut d'abord mettre les écoles. Non, mais j'ai mis une école. C'est juste que, eux, lycée, c'est collège, en gros. Ensuite, c'est high school. Enfin, non, ou l'inverse, là, au collège, c'est genre lycée. Enfin, on comprend rien. On comprend rien, ils font différemment. Comme ça sera plus pratique aussi, ça va éviter. Bon, c'était pas très clair, mais j'ai l'impression que c'est bon. Ce bâtiment ne reçoit pas assez d'électricité, mais c'est dû à quoi ça, frérot? Tu peux nous en parler un peu ou... Une basse tension utilisée par les bâtiments. Pourquoi ils reçoivent pas assez? J'y peux rien, moi. Ah, parce qu'il n'y a qu'une seule route qui y va, c'est ça? Vous pensez que c'est ça? Hello, j'aimerais bien vivre quelque part dans un immeuble. Ah, bah faut pas, faut pas me demander ça à moi, hein. Ah, vous allez être surpris, là. Ah, c'est que l'autoroute du début, elle est reliée à rien, en fait. Ah, donc je dois genre créer une merde comme ça, là? Ok, en fait, c'était ça le problème. Ok, d'accord. Ouf. Pas mal, là. Hein. Alors, vous voulez du gros bâtiment, vous voulez du... Mais je trouve que c'est difficile de faire monter... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un besoin qui est titanesque, quoi. En tout, en fait. Ta centrale électrique a un problème. Ouais, elle surchauffe, quoi. Hormis le fait qu'elle soit à deux doigts d'exploser. Sinon, non, ça va, elle va bien. Là, honnêtement, j'en ai partout, des commerces. C'est que personne n'a envie d'aller là-bas pour les commerces, quoi, donc... Un peu d'industrie ici. Une bonne pluie pour satisfaire les plantes. Ah! Bonjour, mon ami Devine! Comment vas-tu? Dis donc, quel temps merveilleux aujourd'hui! Encore du soleil? Problème de circulation. Où ça, problème de circulation? Voilà, c'est plus un problème de parking, en fait. Ouais, je suis plus en petit problème de parking, en fait. On va s'envoyer un parking solide, là. Là, on va s'envoyer un truc. Ouais, mais le très grand parking, il dégoûte. Hein. Non, mais ça dégoûte, en vrai de vrai. En fait, t'es obligé de faire des trucs moches, du coup. Oh, oh l'enfer de ce que j'ai fait. Oh là là. Oh l'enfer.
Oh là 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 là. Oh les mecs, ils vivent là. Putain, c'était le quartier de riche. T'es juste en vue sur les bâtiments. Le HLM vu sur la mer. Par contre, les HLM, je les ai mis trop bien. Oh, l'école, elle est... L'école, t'es dans le noir en permanence. L'école, t'arrives à l'école, t'es... C'est vrai que c'est étriqué, hein. Ah, y a du bruit, y a du... Ouais, mais tu vois, on va vite arriver, du coup, sur des... On a envie, du coup, de route à... Ah, une rue piétonne. J'arrive. Petite route piétonne. Fait bien plaise. Comme ça, on n'est pas si mal. Il y aura des boutiques ici. Trop grande la route piétonne. T'es découragé avant de la finir. C'est vrai que... Non, mais on fera un parc. On fera un truc un peu sympa. Mais c'est vrai que la route piétonne, putain, c'est un cauchemar. Tu la démarres, t'es pas prêt de finir. Non, mais on va foutre des boutiques et tout. Vous en faites pas. Mais attendez, parce que là... Là, en fait, on a besoin d'avenues, là. On a besoin d'imaginer Amérique, là. Boum. Voilà, là, on a besoin de... Ouf, on respire, là. Ouf. Voilà, là, là. Ah, là, là, on voit des grands ensembles, là. Oh là, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, ce que je suis en train de faire. Là, mon gars... Là, il faut une route qui fait ça, mais c'est juste qu'en fait, une fois que t'arrives là, t'es mort. Donc là, en fait, parce que ici, on pourra agrandir, il nous disait. C'est dur d'agrandir, là, quand même, parce que... Et là, on se fait... Ça, c'est une combien de voix, ça? Je fais des quoi, moi? Route asymétrique à 3 voies. On peut pas faire une 2 par 2, genre? En fait, il me faudrait le rond-point taille moyen, là. Parce que là, je pense que ça, on pourra s'en servir pour l'école et tout. En attente d'une ambulance. On a déjà l'hôpital, non? Loyer élevé. Difficulté à payer le loyer. On paye pas le loyer. Attention les gars, hein. Tout peut aller si vite. Change d'onglet pour les routes, tu en auras des plus grandes. Putain! Oh bah ouais! Oh mais attendez! Oh mais là, là, on n'est pas prêt là. Oh là, vous êtes pas prêt là. Oh, je vais te faire un truc. Pitié, arrête les virages à 90 degrés. Mais ça, c'est archi bien, ça. Vous vous rendez pas compte, dans la vie. C'est comme ça. Enfin, je sais pas trop, en vrai. Pont à tablier suspendu. Oh là 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 là. Est-ce que je vais faire? Je vais acheter la parcelle de la côté. Attendez, attendez. J'envoie du 5 voies, là. Là, j'envoie les 5 voies, là. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. Ah, mais c'est vrai qu'on va arriver, on est vite un peu désengorgé là. During these breaks in service and to follow the guidelines on the city's web, recent spikes in this is industry. And on to... Mettez juste du son. Tu peux cliquer dessus et améliorer. Ah oui, c'est vrai en plus.
Ouais, mais là, je me sentais bien. Là, je le sens plus. L'autre, il m'a dit, fais pas du 4 voix, je sais pas quoi. Ah, c'est moins beau que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais tout ça, là, ça, on a envie d'améliorer aussi, là. Voilà. Ah, là, c'est l'Amérique, là. Un petit souci. Petit souci. Petit souci léger là. Ah, on est obligé de faire moche là. Est-ce qu'on pourrait pas faire une deux voix, une tout trois voix, une tout... Tu vois ? Genre là c'est asymétrique. Petit à petit on grossit, petit à petit on grossit. Là d'un coup on passe à 4 voix. Et ensuite on arrive sur une 5 voix. Parfait. Alors là, là honnêtement, là on est maximum. À côté je t'envoie pas que du 5 voix. Je t'envoie quand même une 4, juste là. Une 4 beaucoup plus familière. Où en fait on pourrait... Faut pas faire trop. Oui, va chercher du mou. Voilà, comme ça au moins ça nous définit des espaces. Voilà, parfait. Les virages à 90 degrés, assez long, ça va, mais le virage avec un tournant... C'est vrai, non mais là c'est mieux là du coup. C'est vrai que parfois, oui, faut repasser en première sur certains virages que j'ai faits. Là, c'est... Ok. Bon, il y a plein d'emplois ouverts dans le secteur industrie, appelez-moi. Parce que là-bas aussi, hein, là, ça va continuer, là. Ça ne s'arrête pas. Hein. Et c'est vrai que t'as limite envie de continuer, en fait, en 4 voies. Là... On est un tout petit peu trop loin en fait. Ça c'est bien foutu par contre comme truc. Je t'envoie un petit rond-point. Hop, je t'envoie une deux voix qui continue comme ça, ce qui fait qu'on n'est pas dans le too much. Important de pas être dans le too much. Et là je pense qu'on aura d'autres belles choses. Voilà. Et ben là c'est super ça. Et honnêtement là je vais t'envoyer là je pense qu'il est l'heure d'envoyer justement aussi de la maison logement à densité moyenne hein. Parce que là ça va être des grands bâtiments ça. Ça va être des grands bâtiments pas méga beaux. Est-ce qu'on les ferait pas vivre là-bas? Tant de gens tombent malades. Comment ça? Je suis pas au courant moi. Qu'est-ce que c'est que cette rumeur abjecte? Hop. Voilà. Là, c'est très bien. Et là, on peut envoyer des immeubles qui font pas rêver, mais il en faut. À côté des bâtiments industriels. Waouh, à côté de la... Là, c'est pas cher. Là, non mais là c'est l'endroit, c'est pas cher du tout. On est à côté de la centrale à charbon, on est à côté de la déchetterie. Là, si vous voulez, c'est quasiment gratos, là. C'est quasiment gratos, mais on a besoin aussi, voilà. On a besoin un peu dynamiser. Là, ici, juste à côté. Ça, c'est les petits logements des richoux, là. On y met aussi, bien sûr, quelques commerces, c'est important. Ça fait toujours plaisir. Là, on va se renvoyer une petite industrie. L'air est de plus en plus pollué.
générés par les zones industrielles. Certains bâtiments et services municipaux se répandent sur la carte dans l'air, sous l'effet du vent. Ah, c'est vrai que le vent pousse là-bas. Bon, bah du coup, pas de soucis, on va créer là-bas le bâtiment. Hop. Pas de problème. Très bien. Là, on est déjà super. Bon, allez, là, faut qu'on prenne des plus de points, parce que là, ça devient difficile, hein, déjà. Là, honnêtement, j'ai l'impression que... Là, il y a des maisons. Là, ça, c'est une maison. Mais pourquoi on fait pas une maison, là, en fait? Là, pourquoi on fait pas une maison entre l'énorme bâtiment et... Ça, c'est de la maison cadeau, ça. Ça, il faudra que je fasse des boutiques ici, en fait. Là, ça, c'est les seuls endroits où je peux faire des boutiques, encore. Là, j'ai encore de quoi faire un peu. Pas idéal, parce que t'es à côté des zones... Oh, ça va, t'es à côté des zones commerciales. Là, on a plus... Oh, il y a du parking, hein. Eh oui, on a besoin de parking, aussi. Eh oui, mon ami. Est-ce que là, je ferais pas un grand parking, là? Ah, il y a déjà un beau parking, ici. Oh, bah là, je pense que ça, c'est un endroit de parking. Pollution de l'air. Ah ouais, mais eux, c'est Tchernobyl. Hein. En fait, le souci, c'est que là, on a vraiment recréé Tchernobyl, juste pour eux. C'est pas idéal. Alors, je dois l'avouer, c'est pas idéal. Après, on fait comme on peut. Hein. Chacun sa merde. Non, chacun sa merde. Ah, il y a un moment, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'il cède? C'était qui, lui, là? On dirait qu'il était porteur d'une sombrerie, là. J'aimerais bien vivre quelque part dans un immeuble, par exemple. Alors, justement, on est sur un projet immobilier vu déchetterie centrale nucléaire, sauf que ici, tellement d'offres d'emploi et si peu de travailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il faut des gens, on va construire. On construit, je me dépêche. Ah, mais là, ils veulent tous vivre dans des petites maisons, là, forcément, parce que vous avez l'argent, là, parce que... Oh, là, ici, c'est chez les richoux max, là. Là, c'est que des petites baraques, vue rivière, pa, tu te mets max. Et là, on va enfin pouvoir faire les petites boutiques, là. Et là, il faut de l'industrie. Là, les mecs, ils bossent à l'autre bout de la map, mais bon. Oh, je t'envoie un peu de poulet. Condo! Un classique moderne qui donne le sourire. Il est où le condo? C'est là, bâtiment emblématique. Il s'agit de bâtiments uniques. Oh, bâtiment emblématique. Comme c'est pas très européen, c'est plus classique moderne qui donne le sourire à ses habitants. Mais attends, mais c'est des quoi? C'est faible densité? C'est... Grand village. Wow, on progresse, hein. Attends, je comprends pas. Il fait quoi, le condo, en fait? Pour moi, un condo, c'est genre une sorte d'immeuble gigantesque. Demande de bureau! Oh, j'ai les bureaux, maintenant. Zone de bureau, accueille les entreprises. Qui produisent des biens et services immatériels. Bon, là, c'est pas très cool. T'es en pleine zone indus, mais bon. Non, je vous en conjure, s'il vous plaît. Ah, eux aussi, ils sont en mode pollution de l'air. Mais y a pas un truc... je peux mettre des transports. Double voie de transport public. Oh putain, on est mort. Non, là, honnêtement, j'ai l'impression qu'on est déjà foutu là. Dépôt de taxi. Il nous faudrait à côté de la gare, quoi. Parce que là, il y a des bureaux qui arrivent. Je suis concerné de la façon dont les soins de santé sont gérés. Il me faut un hôpital, non? Je crois que j'avais parlé de l'hôpital. J'ai pas déjà un hôpital? Ah, j'ai pas d'hôpital, d'où le fait que ça soit un peu la merde. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est le cimetière. On est sur un autre sujet, là. Alors, je me fais dépasser par mes émotions, là. Ah, parfait, là. On va mettre l'hôpital en face des HLM. Non mais là, comme ça, au moins, si jamais il y a des problèmes, soins publics, là. Là, c'est gratos. Oh merde, ça coûtait 1,8 million, c'était ça le problème. Ah bon, au moins, ils feront plus chier. Hein. Non, ils vont plus faire chier, là. Pas assez de clients. Eh oui, il faut qu'on construise. Non, grave problème de construction, là. Ouais, c'est difficile, hein, outil de création de quartier. Vous pouvez créer des différents types de quartiers et sélectionner une zone pour utiliser un outil spécifique. Oh, je suis dépassé, putain. Pff,
suis débordé. Oh putain, je peux faire d'une culture céréalière. Une exploitation forestière. Oh, faut que j'achète à côté, comme ça on va tout mettre. Attendez, 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 pardon, je me suis endormi là. J'étais sur le condo plus 4, dans, plus 4 de bien-être dans un rayon de... Ah mais tu vois, il me dit comme si c'était pas bien et qu'on n'était pas dans la bonne zone. Moi j'aime pas trop ce que je vois avec ça là. Pourquoi il me fait chier lui? Je comprends pas, je dois le mettre où le condo? Je comprends pas. C'est fou ça. Logement à loyer modéré. Ah ouais, là mes frérots, là ça va... Ah, vue cimetière. Là, vue cimetière. Combo hôpital à côté de la centrale, tu viens pour une fracture, tu repars avec une infection des poumons. Le brouillard est simplement insupportable. Quelqu'un devrait vraiment s'occuper de la qualité de l'air. Oh ouais. C'est difficile, hein. Il fait un peu frisquet. Bah voilà, tu vois. Moi, je donne, hein. 395 000, il me faut des petits logements. Il faut qu'on continue à bosser les richoux, hein, de toute façon. Hop, de toute façon, là, les richoux, ils sont carrément sur... c'est Monaco, ici, si vous voulez. J'ai 18 dalles de dispo. Ouais, mais c'est payant. Ah, ça coûte que 6 000. Oh, vas-y, je vais prendre tout le bois à côté. Je vais faire une exploitation forestière. Oh, j'ai pris tout à côté, putain. Oh là 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 là. Attendez, je vais créer des boutiques en plus. Oh putain, ça rend heureux, ça. J'espère qu'ils se baladent, les cons, ici, hein, parce que là, j'ai toutes les boutiques de France, là, hein, donc... Douflu, merci pour le sub. Putain, attendez, on va faire l'exploitation mini... Qu'est-ce que c'est? Parc et loisirs, c'est ça que je voulais faire, mais il n'y a plus la place. Si, peut-être ici. Un petit parc. Petite place. Oh non, mais c'est ici. C'est ici. Oh, on est bien là, hein. Comment ça, il n'y a pas de route là? Il y a clairement une route, hein. De toute façon, on va pas y aller en 4x4 là. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? C'est très bien là, en sentier là. Oh non, il comprend rien, putain. Comment ça? Je comprends rien, le con, hein. De l'autre côté, la route perd. Je comprends pas. Ouais, la deuxième route, mais la deuxième route, c'est vrai que c'est toujours... Oh là là. Je suis passé dans... Attendez. Pas assez d'électricité. Oh, il en recevra jamais assez. On va peut-être le détruire, celui-là. Hein. Ouais, j'essaye de me donner, mais... aider les gens. Voilà comment on est traité. Site de feu de camp. Tiens, un parc à chiens. Un parc à chiens, je dois le relier à quoi? Une autoroute peut-être, non? S'il n'est pas relié à 3 autoroutes au minimum, le parc à chiens, ça ne marche pas. No funciona. C'est genre une vraie route, le sentier ne compte pas? Accident de la route, oh bah ça arrive. Mais comment ne pas hurler là? Comment ne pas hurler? Allez, démerdez-vous. Allez, marchez là, c'est une rando là. C'est soit tu prépares le marathon, soit tu vas te faire foutre ici. Hein. Alors où ça un accident? Où ça? Qui est mort? Mes condoléances. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du rouge là-bas à l'hôpital? C'est quoi? C'est le logo de l'hôpital? Ah bah oui, bah là on est bien sûr de le voir là. Oh, ça c'est magnifique. Hein. Là honnêtement, là t'as vu sur Madame Gérard en soins palliatifs juste en face de chez toi. Non, ça c'est des... Ah, l'avantage, c'est voilà, ma ville c'est avant tout des rencontres quoi. C'est... c'est... Là, c'est vrai que bon, ça peut être difficile à vivre. Oh putain, faut que je fasse des transports.
Mais ce jeu, t'es obligé d'être dépassé, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que... Voilà, bah, boum. Ici, là. Attends, je comprends pas ce que je peux faire. Attends, mais pardon. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Oh putain, j'ai créé un endroit. Attends, attends. Qu'est-ce que je fais ici, là? Je comprends pas bien. Alors, je me calme. Boum. Déficit. Déficit de production, 30,5 tonnes. Route requise. Je dois créer la route en premier? Je vais créer la route en premier. Parce qu'en fait, c'est un jeu où tu dois créer les routes en premier, mais... Faut se projeter, quoi. Je comprends pas ce que je dois faire. Ressources exploitables. 35 tonnes. Prends rien. J'essaie de viser le chiffre le plus haut. J'ai rien compris. Ah, faut juste mettre une zone à l'exploitation en fait. Mais là, c'est bon, non? Je dois créer une zone. Ah d'accord, c'est un nœud en mode... Ah oui d'accord, j'aime bien ça. C'est comme les recherches sur se loger là. Ah ça j'aime beaucoup ça. Ah ça j'aime beaucoup. Oh là là là, là on va pas se priver là. Ah non c'est trop. Oh c'est dommage. Ah ça c'est nul ça. Ah ça c'est bien ça. Ah ouais on prend le max là. On est gourmand, hein. Oh, on est bien gourmand, là. Ok, super. Bon, ça, on sait pas ce que ça fait, mais en tout cas, on le fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? L'industrie céréalière. Ah ouais, mais là, c'est chaud, là. Oh, quoi, quoi. Non, c'est chaud, parce que c'est trop grand. Moi, je suis dans le poulet, avant tout, moi. Ah ouais, là, on coupe déjà, là. On est déjà en train de couper. Obtenu une boisson gratuite. Bon, eux sont en train de clamser, mais qu'est-ce que je peux faire pour la pollution? Sinon, je crée un énorme ventilo qui renvoie l'air de l'autre côté. J'appelle les Qataris pour savoir un peu le système de clim qu'ils utilisent, là. Les gens veulent de la faible densité, hein. Mais faible densité, moi, je peux viscère ici, hein. Manoir de musicien pop? La terreur de cette demeure est parfaite pour les fêtes de la star pop qui y vit. Mais on est où, là? Bien-être. Mais comment ça, bien-être? Le mec va faire des soirées, ça va être horrible pour tous les gens autour. Comment ça, bien-être? Mais tout le monde va hurler, là. Moi, je vis à côté de lui, j'ai envie de... J'ai envie de tout péter, moi. Alors, industrie. Bon, l'avantage, c'est que là, au moins, le vent va de l'autre côté. Donc là, c'est bien, là. Ah, j'ai 4 points de capacité. Qu'est-ce qu'on améliore, les gars? Traitement de l'eau. Pff, je sens qu'on n'est plus à ça. Hein. Centrale électrique. Centrale station de batterie. Non, nous, c'est peut-être la gestion de l'air, là. Ah, mais ça, on va pas pouvoir beaucoup aider. Hein. L'air. Ouais, mais il n'y a pas trop d'amélioration d'air. La station réduit les effets négatifs dont souffrent les bâtiments lorsqu'il n'y a pas d'électricité. La ville des solutions énergétiques rentables à grande échelle avec des émulsions polluantes modérées. Bon, on va aller chercher le nucléaire. Hein. On va aller chercher le nucléaire. Et bon, là, on a, là, ça va, là, crématorium. Centre de recyclage. Est-ce que je mettrais pas un centre de recyclage, peut-être? Peut-être pas mal, ça. Traitement de l'eau, j'ai l'impression qu'on est bien. Il faudrait qu'on voit là où on est bien, là où on n'est pas bien. Train. Ah mais là, je vais pas pouvoir gérer les métros, là. Là, honnêtement, je me sens pas capable. Là, je me sens pas du tout capable.
Éducation, non mais éducation, on a tout, hein. Je peux foutre des universités, mais... Comment on voit où on en est, là? Les gens sont heureux, hein. Comment on voit un peu... Alors, argent. Ah, bon, argent, on a pris un petit coup dur, c'était l'hôpital. J'ai juste une ferme de poulets. Ah, mais c'est la ferme de poulets qui pollue tout? C'est juste ça? Non, c'est l'usine, hein, pour moi. L'usine, pas méga fan, je peux comprendre. Est-ce que l'usine, je la déplacerai pas? Je te la fous là, l'usine. This is Second Moon with... Non, ça pollue toujours. Attention au vent. Ouais, mais le vent... Y a pas beaucoup de vent là, 0,5 on produirait. Hein. Ça revient au même, ouais, mais c'est lointain quand même, c'est lointain. Hein. Ils sont pas très fers quand même. Hein. Ça souffle sur tes habitations. Ouais, mais dans ce cas, on fout ça là, quoi. Après, ça met peut-être un peu de temps, non? Mais là, du coup, on peut quand même rendre le truc... Et ici, l'électricité, c'est OK. Pour moi, je pense qu'il faut attendre, en fait. C'est ça, le problème. Et on a besoin de deux usines ou pas? Parce que sinon, je me foutrais bien une usine... Ah ouais, c'est 650 000. Moi, j'ai plus une thune. Play. C'est Play, là. Je pense que ça met un peu de temps, moi. C'est sympa, en tout cas. C'est pas trop uniformisé. Il monte le condo. Plus 2 bien-être. Un classique moderne qui donne le soir à ses habitants. Je me dis, eux, au moins, ils seront plus heureux. Comment on peut voir la map bonheur? Bonheur. Eux, ça va, ils sont en train de revenir bien, là. Bon, ils sont un peu pleins. Manque de divertissement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le seul divertissement, c'est l'hôpital. Je peux comprendre. Non, mais fallait... Non, mais c'est bien. Fallait qu'on en parle, mais en même temps... Alors, demande. Bâtiment inoccupé. Information sur la ville. Bâtiment inoccupé. Demande locale. Tarif minimum des taxis. C'est 15 balles. On va quand même pas commencer à me foutre une circulation des petits parcs en face des immeubles. Merde, j'ai remis pause. Ah mais là, peut-être qu'on pourrait se foutre un grand parking. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent. Mais en même temps, personne n'est sur le parking de l'hôpital. Je trouve ça un peu... Si tu vois que t'es full, bah va sur le parking de l'hôpital. Fais comme tout le monde. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Waouh, c'est pas ça du tout. Je m'en sors pas, les gars. L'idée était bonne au début, puis j'ai craqué en vol. Ok. On continue l'indus, hein. Bah, je vais envoyer du poulet, quoi. Hein. Ah, j'envoie du poulet. Voilà, j'envoie un max de poulet, hein. C'est une ferme. Pas sûr que ça ait bien marché, mais... Merci à Gwenarok. J'envoie un max de... J'envoie un max d'industriel, hein. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Est-ce qu'on peut pas faire des trucs un peu divertissants? Parce que c'est vrai que même nous, là, on est fatigués par la ville. Grand parc.
Ah oh, mais déjà les petits parcs ils sont moches hein. Train. Air. Ah non c'est aéroport. Et on peut pas améliorer les bâtiments en fait. C'est dommage en vrai. Ce serait bien d'améliorer les bâtiments. Centrale électrique au gaz. Autoroute. Bon, je vais prendre l'amélioration rond-point. Hein. Moi, je la trouve jolie, ma ville. Je sais pas ce que vous en pensez. Au début, on avait un peu envie de la juger, puis au final... Au final, on l'aime comme elle est. Dès qu'il y a des gros ronds-points, de toute façon... C'est beaucoup plus agréable. Les gros ronds-points. Ouf. Oh, je suis épuisé, les gars. Je suis... C'est combien... Ça fait 2h30 qu'on y joue, là. Putain. Ah, c'est vrai que c'est prenant, hein. C'est... C'est pas un jeu de chill. Tu perds de la moula. Ah bah on est bientôt foutus. J'aimerais bien vivre quelque part dans un... Mais ils veulent faire que des... Ils veulent vivre que dans des beaux endroits. On peut pas, les amis. On peut pas vivre dans les beaux endroits. Faites comme tout le monde, là. Vivez dans... Voilà, vivez dans les petits endroits qui donnent pas envie. Pourquoi ça construit pas, d'ailleurs? Ah si, c'est bon. Ah mais là, eux, ils vont me détester. Ville minuscule. Alors je reprends 1 million. Non mais en fait du coup... En fait, c'est à la fois bien et en même temps t'as envie d'avoir tout d'un coup. Parce que certes le côté recherche et tout est intéressant, mais t'es obligé d'avoir une ville flingos au début. Tu peux pas te dire, ah vas-y, je vais avoir une bête de ville d'entrée et ensuite... centre de tri postal. On va faire ça nous. Un centre de tri, service postaux, c'est important les services postaux. Comment on fait? Ça, c'est quoi? Bureau de poste. Ah bah ouais, on a envie d'avoir un bureau de poste. Ah bah ici, peut-être. En début de ville. Petit bureau de poste. Pourquoi pas? Centre de tri. Ah bah le centre de tri, je vais te le foutre. Ça coûte combien, ça? Ah mais 650 000. Mais ça, c'est quoi, ça? Vitesse de tri, entretien, camion, pollution sonore. Bureau de poste. Je vais te le mettre là, le bureau de poste. Envie d'hurler. Je zinzule. Bah après, tu construis ta belle ville parfaite plus loin. Mais du coup, ça c'est quoi? C'est des gens qu'on sacrifie, c'est ce que t'es en train de me dire? C'est difficile, c'est difficile. Ok, ça c'est bien ça. Il n'y a plus de bureau de poste du coup. Oui, ils font quoi? Les citoyens ont automatiquement accès à la radio, à la télévision, à internet. Ah, c'est pas mal ça. Attends, ça doit faire un bruit fou, non? Basse. Oh, je leur mets un gros réseau. Là, chez les riches, là, je les mets bien. Pending updates to our power grid. Non, non, me dis pas qu'il faut une route! Putain, j'en peux plus! Oh, je hurle. Non, mais lui qui ferme sa gueule, lui qui ferme sa gueule, c'est infernal. C'est infernal, mettez pas une radio si c'est pour qu'il y ait un animateur radio qui parle toutes les putains de musiques. C'est genre... GTA, c'est bien, mais... L'antenne 5G dans ton jardin. Non, mais au moins, ça fera des débats à la salle des fêtes. Il y aura des sujets, quoi. Alors, on se remet, on ne s'énerve pas. Parce qu'en fait, est-ce que tout le monde capte, là, dans l'ensemble? Qui ne capte pas? Eux, ils captent pas, eux. Eux, ils sont en chien, on va penser à eux.
Voilà. Ah ouais, eux, c'est terrible. Au moins, ils vont capter, quoi. On attend d'un corbillard. Ah, ça meurt. Ça meurt en masse. Tu peux désactiver les pubs. Non, mais j'ai désactivé, frère. C'est pour ça que j'ai désactivé, déjà. Mais c'est pas des pubs, là. C'est juste les... Musique non-stop, musique non-stop. C'est juste qu'il y a des man qui parlent. Citoyen suivi. Oh, comment elle va? Comment elle va, Maisie? Elle est heureuse, Maisie. Elle rentre à la maison. T'es où, Maisie? On peut te suivre? Centré. T'es où, Maisie? Oh, t'es là, Maisie. Oh, Maisie, ça a été la première habitante. Maintenant, on est 2600. Oh, la vache, putain, le fond, quoi. Le fond avec les centrales, au loin. Ah, et de l'autre côté, c'est les trucs électriques. Et sinon, putain, t'as des bâtiments à gauche, à droite. Oh, c'est une ville, après. Hein. Vraiment... Ah, elle est heureuse. Elle est femme seule, mais c'est bien. Elle est aisée. Elle est peut-être divorcée, je sais pas si... Ah non! Kayleigh, c'est... Kayleigh, c'est sa meuf. Ah non, elles ont un gosse à deux. Très bien. C'est un peu l'Angleterre. C'est un peu l'Angleterre. Fait un parc. Bah, on peut faire un grand parc, mais... J'ai encore des points en plus. En vrai, je peux m'envoyer un vrai parc. Hein. Entretien des parcs 1. Parc de sport. Oh! Oh, ils vont devenir sportifs. Skatepark, terrain de basket, salle de sport en plein air, terrain de tennis. Alors, chez les Richoux, il faut le petit terrain de tennis. Ah, le truc, c'est que bien sûr... Non, mais attends, il faut le terrain de tennis, là. Oh! Il est sublime, le terrain de tennis dans le sentier! Oh là là, les deux cours terre battue! Oh là 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 là, mais ça c'est magnifique, hein. Un petit terrain de basket de l'autre côté. Mais c'est la vida loca. C'est quoi ça là, ça ouais, non, un petit terrain de basket là, ça game. Attends, là, ça vit. Voilà. Ils sont pas contents, ils sont pas contents, ils ont un terrain de basket. Hein. Incroyable. Et pour simplifier, je me permets de faire un petit sentier qui va partir de là. Comme ça. Et qui rejoint ça. Non, on me dit pas que ça a détruit ça. Comme ça, au moins, le sentier, tu vois, tu peux directement rejoindre... tu peux aller d'un point à un point B. Le stade de foot. Bah, je pense que c'est un jeu ricain, donc... vous aurez vraiment besoin de distribution d'eau dans la ville. Ah, il rip. Ah, mais là, en fait, c'est le moment où tu deviens zinzin, là. Là, tu deviens zinzin. Parce qu'en fait, c'est un jeu... C'est un jeu d'optimisateur. Moi, je suis pas trop... J'ai envie de vous dire, je suis un créatif. Ah, mais attends, mais on va taxer, là. Hop. 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 20%. Hop, 20 pours. Et je monte de 2% les habitants. Est-ce qu'on peut faire par classe? Voilà. Alors. Voilà, comme ça, c'est bien. Là, c'est bien. Tout le monde est heureux, en plus. Tout le monde est heureux, tout le monde donne. Tout le monde se dit vite. Comment faire? Ah ouais, mais tout a été détruit, du coup. T'as les stades de foot dans les monuments. Ah, mais je l'ai pas encore. Vertigo, The Terrace, Triomphe, une tour, un manoir. Ah oui, d'accord, t'as plein de manoirs emblématiques un peu différents, quoi. Prod by Alain. Merci pour le Prime. Bureau de recensement. Les gens commencent à mourir plus que d'habitude. Mais ça, je comprends pas, parce que tu vois, j'ai décalé, là, honnêtement. Pollution de l'air, je suis pas d'accord avec eux. Je sais pas comment leur dire, mais... Tant de gens tombent malades. Moi, je trouve que j'ai fait les efforts, honnêtement. C'est trop serré. C'est vrai que c'est un peu serré, mais... C'est légèrement serré, mais là, t'as de l'habitation, là. Et du coup, j'ai fait grand parc ou pas? Ah non, j'ai pas fait grand parc.
Mais ça va pas en marche. Route requise. Ah, mais sentier, ça ne marche pas, en fait. Je suis con. Ah, il faut une vraie route. Mais c'est trop bizarre de vouloir une route. Genre, il faut une route de voie pour aller sur ton parc à chiens. Ah, parce qu'il faut le mettre le côté de la route. Oh, c'est un peu dommage. Chemin en terre. Ah oui, j'aurais pu faire une route de gravier, t'as raison. T'as tellement raison. On va faire ça. Ah, on peut même faire une route piétonne et tout, en fait. Ah, mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je faisais un sentier, mais t'es pas obligé de faire un sentier. Non, non, mais en fait, c'est pas mal une route de gravier. C'est un peu good vibe. Hop, un petit parc à chien de l'autre côté. C'est pas très joli, quoi. C'est tout le problème. Oh, mais là, si, je peux quand même faire relier le gravier ici. Ah, tout va dépendre, tout va dépendre. Parce que là, on a quand même une descente à 90 degrés, donc... Et si ça passe? Oh, ça passe. Attends, je crois que c'était Adrien Méniel, hein, au début, de loin. Je me suis dit, mais que se passe-t-il, en fait? Et là, tu peux foutre des habitations, aussi? Ah ouais, là, t'es luxe, là. Là, t'es vraiment bien, hein. Là, t'es au milieu des petits parcs. Là, t'es très très bien, là. Oh, le petit terrain de tennis. Ça joue ou pas? Oh, y'a personne qui joue. Au basket, peut-être? Oh, y'a quelqu'un! Oh, il s'entraîne, mais il est seul, il pleut. Oh, c'est déprimant, notre ville. Non, notre ville est déprimante. Les amis, je crois que je vais stop là pour cette session. Mais écoutez, non. Eh, c'est joli quand même de nuit. Hein. Mais genre, c'est quoi après une grosse ville? Tu te fais genre 100 000... On a quoi? On a 75% d'adultes. Ah, ils étaient même pas bien éduqués, nous. Emménagés. Taux de natalité 17 par mois. Taux de mortalité 39 par mois. Ah ouais, ils sont bientôt... C'est pas bon signe. Hein. Nous, c'était pas bon signe quand même, là. Montrez voir un peu des stats, là. Oh, l'argent, on est bien remonté. Richesse. Richesse des bureaux, ouais, bon, ok. Les ménages, ça va, progressivement. Dénombrement de population, c'est bien monté. Nombre de ménages aussi. Évolution de la population. Citoyens qui ont emménagé, déménagé. Taux de natalité, mortalité, montre. On peut pas avoir les deux, c'est l'un ou l'autre. C'est pas du tout les mêmes échelles, c'est pour ça. Bonheur, ah, le bonheur. Bien-être, on se sent mieux, mais santé, ça pue, quoi. Emploi, emploi, il y a eu un coup, il y a eu un coup. Travailleurs. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins, mais moins 70, on comprend plus ce que ça veut dire. Taux de criminalité, très très faible. Je regarde que sur un mois. Ah oui. Ah oui. Ah oui. La poste, on n'a pas encore. Éducation. Oh, ça s'éduque, hein. Voilà. Là, honnêtement, c'est clean. Qu'un gars s'est chauffé à faire une ville 100% autonome avec dictature ou c'est dans un autre jeu? Je sais pas, mais je pense qu'en fait, Cities Skylines, c'est vraiment le genre de jeu où les gens se chauffent de fou, beaucoup de modes et tout. Non, mais honnêtement, c'est quand même très sympa. C'est très sympa toujours. Ensuite, le problème, c'est que moi, je suis pas un mec assez rigoureux, en fait. Il faut un peu des formations d'ingénieur pour vraiment kiffer ça. Alors non, hein, pas forcément à tout prix, tu vois, mais faut un peu le profil très... très ok, donc là, j'ai mon quartier, j'ai ma zone. Ok, d'un point de vue électricité, raccordement, eau, déchets, machin, tout est clean. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre zone ici qui va pouvoir alimenter. Tu vois, c'est ce truc-là, un peu des jeux satisfaction, Factorio et tout. Je suis un artiste, moi, les gars. Je suis un artiste, voilà. J'ai une vision qui, parfois, a du mal à être appliquée. Regarde, regardez. Voilà, voilà, voilà qui je suis. C'est pas un jeu facile. Ouais, c'est pas un jeu facile, mais c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est toujours la même chose à chaque partie. Bah, tu crées une ville, ensuite, en fonction de ce que tu veux faire et tout, ça peut être différent. Ça part en série. Je pense pas que j'en ferai une série, en toute honnêteté.
Je trouve ça cool à essayer et tout. Mais en fait, là, on sent que les gens sont déjà en train de mourir. Qu'en fait, j'ai pas les bonnes... C'est pour ça que, à la fois, c'est bien de démarrer palier par palier. Et en même temps, ton début de ville est forcément un peu flingué, quoi. Mais en même temps, si t'as déjà tout, tu vas acheter des trucs... Enfin, tu vois, ça va être trop cher et tout.